Salut à tous. Bonsoir. Bonsoir. Ah, alors. Mais je comprends pas que vous ayez au jeu. Faut le dire ou faut pas le dire? Oh, bah, ils sont pas trop cons normalement, puisque la vidéo Si, va ils sont cons, sortir. ils Et sauront ensuite, il y aura jamais. le live. Ils sauront jamais. Ils On va seront vraiment rejouer cons à de pas God of savoir. War. Parce qu'on a Il est adoré la. possible qu'on fasse une blague parce que voilà. On va refaire la même chose. Ouais, alors voilà. On n'est pas la date à laquelle vous êtes. Voilà, on vient du passé et on va vous faire un petit live. Voilà. Mais on vous dit pas là de quand ça date, comme ça vous pouvez avoir l'espoir de vous dire, ah si ça se trouve ça date d'il y a, allez, 2-3 jours. Ouais, c'était il y a très peu de Alors qu'en temps, vous inquiétez réalité, j'ai pas. la clim à fond, on est en été, je suis en plein mois d'août. N'y a pas encore le Covid. Ah, bah non, comment je le sais? Bon, on va jouer à God of War, qui vient de sortir il y a pas très longtemps Mais arrête! sur PC. God of... Et. L'excellent God of War qui a enfin son portage PC. Ouais, et tu vas mieux en parler que moi, parce que moi, bon. God of War. Voilà. Moi j'ai joué à aucun jeu sur console, du coup je suis vierge. Je Mais suis la si, t'as seule personne au joué. monde qui a pas joué à God of War en vrai. Mais tu dis. Tu joues à Rocket League? Ouais, mais c'est. Non, mais c'est un jeu PC ça. Ok. Non, T'as franchement. joué à Horizon Zero Dawn? Ouais, mais avec toi après quand il est venu sur PC, non? Oui? En fait, moi j'attends T'as joué à toujours. The Last of Us 2? Je suis une petite pute toute fière, j'attends vraiment qu'ils viennent à moi sur PC. Je veux pas aller vers les consoles. De merde, Non, mais hein. tu sais pourquoi? Parce que moi j'attends qu'ils arrivent sur l'Epic Game Store. Ah Voilà, voilà oui, pourquoi je j'attends. suis d'accord avec toi. Parce Et que. du coup, je regrette d'y avoir joué sur console parce que j'aurais pu attendre qu'il soit sur l'Epic Game Store. Voilà, et pour tous ceux qui ont attendu vaillamment que ça arrive sur la meilleure plateforme, vous pouvez maintenant y jouer sur l'Epic Game Store. Et ça, c'est la vraie raison. Mais du coup, t'as jamais vu le jeu? J'ai vu des gens y jouer vite fait, mais bon, non, j'ai Ah, t'as quand pas. même regardé les 15 Let's Plays de Bob Lennon, j'ai eu peur. Oui, voilà, précisément. Je joue à la manette du coup, c'est ça? Parce que si je joue au clavier, Non, on va me. on m'a dit Quoi? que clavier souris ça se jouait très bien. Mais non! Alors là, tu me régales, je débranche la Moi, manette. bah tu vois, parce que Moi, moi j'allais te je. dire, de base je t'aurais dit jouer à la manette c'est un jeu console. Et en fait on m'a Bah dit ouais! bah non, à la clavier souris c'est vachement bien. Oh, Donc je me bah t'es pas obligé de jouer à régale! la manette. Oh, mais je me régale! Bah, ça part direct, hein. Alors, mode histoire, c'est un truc pour dire pour les nuls? Ouais, sans vivre une expérience de jeu trop ardue. Aux joueurs qui veulent une aventure raisonnablement Ouais, difficile. raisonnable, ça va, c'est raisonnable. Voilà, ça c'est pour les gens déséquilibrés. Et moi je vais Oui. prendre celui-là. Voilà. Tu vois, je sais quand même que ce mec s'appelle Kratos. Hein, C'est normal, tu connais je. la mythologie bretonne. C'est un breton? Ah d'accord. Oui, Kratos en breton, ça veut dire Caradoc. Et Et je. Caradoc en breton, ça veut dire saucisson. Saucisson, et donc Oui. c'est le dieu de la guerre, si je suis pas trop con. Voilà, là, tu vois Putain, en finalement. vrai, je connais bien le jeu, hein. Et il aime bien écouter les arbres. Bon, ça C'est c'est pas. pompeux, hein. C'est déjà très pompeux, hein. Il écoute les arbres, hein, je vous dis. Non, regarde. Et donc l'arbre là, c'est son fils, c'est ça? Bon, c'est Attends. pour m'emmerder avec l'histoire. Ah. Waouh. Juste envie de Oh, remettre un coup là. connaissant Vas-y! Kratos, il aurait pu quand même casser cet arbre en un seul coup de hache. Ouais, j'avoue, dieu de la guerre ou pas dieu de la guerre? C'est qu'un arbre, c'est un séquoia! Nique-lui sa mère! Voilà! Ah oui, c'était un. Ah oui, d'accord. Ouais, il était Ouais, balèze en ça fait. va, c'était pas un arbuste. Mais bah putain! T'as rien fait la caméra. Ah. Et ça, d'après toi, c'est quoi? Sa main? Bon. J'ai pas compris la question! Je sais pas, il a des lanières. Ah, c'est pour retenir sa force mythologique, sa force de dieu. C'est un En vrai, je sais boxeur. pas. C'est un J'en ai boxeur. trouvé. Oh, lui, ça y est, c'est son fils. Il s'appelle. Merdos, Kravos. Je sais pas comment il s'appelle. Crabeau, c'est un C'est pas que Pokémon. Artelus. Arteus, il s'appelle. Ah, my bad. C'est pas un streamer, ça? Il me semble. Possible. Oh, écoute ça. Oh là là.
Allez hop, on le ramène à la maison. Oh, d'accord, ok, ouais, c'est full cheaté quoi. Vraiment, il y a... Bah c'est Kratos hein. Ah, ils ont brisé tout, d'accord. J'espère que le gamin alors, il peut le faire aussi. Hein. Tu vois, regarde, moi j'ai dû vivre l'expérience à moins de 60 FPS. Et non, toi, c'est joli. Que ça fait c'est joli. Et en plus, j'ai bridé le jeu à 60. J'ai bridé le jeu à 60 pour être sûr de pas avoir de problème avec le record. Non, t'aurais pu y aller parce que même à 120, ça stream. Hein. Mais tu vois, de toute façon, le live, ils ont pas encore des streams à plus de 60 FPS. Ouais. Alors, on est pourtant en 2022, hein, je suis d'accord avec vous. Atreus. Attends, c'est quand même plus sympa que d'aller chercher un petit paquet de bûches en forêt, hein. Bah attends, on il a ramené qu'un bout. Il a fait quoi de bout tronc. Attends, ouais, j'ai pas compris là. Ah, il l'a attaché. Non, c'est bon, il ramène tout. T'es sûr? Ah non, oui, mais non, mais il a coupé, ouais, il a fait qu'un tronc. Mais il a coupé. Ouais, ouais. Mais c'est. Il nique la nature pour rien là. Autant tout prendre. Ramène tout, ramène rien. C'est vrai que le jeu est joli. Quand on se dit que ça a 3 ans. Arrête de dire comme si c'était un truc. mais t'es un truc de ouf. Pour un jeu rétro, franchement, c'est sympa. On dirait que tu parles d'un jeu Mega Drive là. Alors que le jeu est magnifique. Regardez l'éclairage. Mais putain, on savait faire ça. T'es de merde. C'est beau. Non, franchement, voilà, c'est beau. Oui, le jeu était une véritable claque quand il est sorti et encore aujourd'hui, il est super beau. Oh, le On a compris qu'il était fort, hein. On a compris, hein. Quand moi, j'ai un peu de côté tout à l'heure parce que j'ai pris un meuble qui était dans ma salle de bain pour le déplacer dans le couloir. Oh, j'ai acheté un aspirateur à la Fnac qui est à 10 minutes de chez moi. Et il était vendu avec sa base exceptionnellement en promo. Et en fait, le tout faisait 10 kilos. Et bien, porter 10 kilos pendant 10 minutes m'a montré que je devrais aller à la salle. Parce que j'allais dire, 10 kilos c'est raisonnable. J'ai mal au dos et j'ai mal au dos depuis 2 jours. Ah ouais. Mon corps il s'est tassé sous le poids du... Ouais. Attends, si je te donne la bûche qui transporte là... Ouais, voilà, j'étais un peu comme ça, mais moins à l'aise, ouais. Attends, t'as pas déjà un aspirateur robot? Alors si, mais il aspire pas tout très bien, je trouve. Tu veux qu'on parle aspirateur? Tu veux dire que il aspire pas tout très bien et en plus il étale la merde de ton chat dans tout l'appartement? Ouais, non, mais j'aspire. J'ai pas acheté cet aspirateur pour aspirer la merde de mon chat. Hein. Y'a aucun aspirateur qui sait faire ça. Hein. Arteus, rends-toi utile, bordel de con. Va chercher des. Ouais. Il est tatoué le gamin à son âge. Ouais, bah, oh là, la décadence. Hein. Oh, puis à cette époque, je sais pas ce qu'ils foutaient, garder leur mort là. C'est sa mère. Bah, il faut l'enterrer, hein, excusez-moi. Enterre ta mère, la pute. L'odeur. Non, mais ils ont peut-être éviscéré, t'inquiète. Ah ouais, ouais, propre. Attention, voilà, pas cramer maman. Je vois ma mère. Elle est inflammable là. Voilà que je vois mon père. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà. Un peu de gingembre, un peu de citronade. On met tout ça à cuire 10 minutes. Persillade. Allez, va-t'en, la pousse. Allez. Voyez, les voilà qui m'appellent. Dans la marmite. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez. Qu'est-ce que tu fais? Je vois pas ce qu'il fait de mal. Mais il va prendre une rouste, une bonne raclée. Oh, le père abusif. Arrête de chialer. Kratos l'alcoolique du Nord. J'ai pas levé de lopette. Il va l'envoyer au loin comme un javelot là. Ah non, il a de la peine. Même un homme fort comme ça, bourré de testostérone. Comment on dit une grande brute au cœur tendre. C'est une grande brute au cœur tendre. Ouais, regarde, tu vois, il est triste. Ils ont amené la bûche pour l'envoyer au loin sur le fleuve et tirer une flèche en feu. Attends, envoyer quoi au loin? Sa femme? Ouais,
Tu sais, genre quand ils envoient les morts sur des cours d'eau, et après, ouais. Bah, ils vont cramer là. Mais s'ils l'accrochent sur la bûche, elle va se retrouver la tête dans l'eau. La gravité va faire que. Ouais, non, faut creuser un peu la bûche, faut faire un radeau. Ah, tu vois. Ah non, ils vont juste la cramer. Ah oui, c'était pour ça la persillade et tout, tu m'as spoil. Ah, mais non, mais je savais, j'avais oublié. Je savais pas, j'avais oublié. C'est une blague un peu limite, hein, Damien. La persillade et les échalotes. Non, un peu. Un peu de respect dans le chat, je vois d'avance qu'ils sont pas respectueux. Enfin, le gars qui essaie de créer des fausses interactions. Et vous dans le chat alors, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Ouais. Bah tu crées des interactions que tu peux. Hein. Mais t'es con. Mais pourquoi il a fait ça? Je suis désolé. Idiot. Désolé d'être con, oui. Serre. Bon, enfin, c'est pas de la biafide, hein, c'est de la glace. Hein. Ouais. Bon, la médecine à cette époque, c'était pas. Ouais. Il est à toi maintenant. Elle t'a appris à chasser. Oui, un peu. Montre-moi. Maintenant. Ah, mais il le connaît pas beaucoup, en fait. Ouais, attends, il l'a pas élevé, en fait. C'est genre, il a quitté le foyer il y a longtemps, en fait. Ouais. Et là, en fait, il doit revenir, fait chier, parce que la daronne, ouais. Elle est morte. Putain. Putain de merde, ouais. Ah, la cave qui fout rien, là. Déjà la pension, ensuite ça. Merde. Ah oui, il le connaît zéro. Y a bah ouais, on dirait qu'il le connaît pas beaucoup. Hein. Y a pas de... C'est pour ça, y a... Tu chasses le cerf. Oh, il vénère. Où ça? Là où se trouve le cerf. Dans la forêt, abruti. Ouais, vraiment, il lui a répondu que c'était un abruti. Au fond de l'océan, abruti de gamin de merde. Tralala, je suis massif. Mais tu verras, je sais que tu veux te moquer, mais les combats, ils ont vraiment une sensation de puissance incroyable. Tu te sentiras fort en tapant. Plus que quand t'as transporté l'aspirateur de 10 kilos. Ça dépendra de toi. Ah ouais, bon alors là... Qu'as-tu trouvé? Des traces. Mais bien joué. Je vais continuer à chercher. Comment je vais changer ma sensibilité bientôt? Ah! Bah il me donne la touche pour le faire. Tu vois? Ah, la fameuse vitesse horizontale et verticale. Et la verticale, parce qu'on sait jamais. Souris. Hop. Hop là. Oh là, carrément. Ouais, non, j'irai pas jusque là. Bah, c'est bon. Oh là! Quoi? Oui, tu as vu un menu de force. Comment j'ai fait? Attends, j'ai fait ça. Ok, incroyable. J'ai peur, je veux pas m'y intéresser maintenant. T'inquiète, c'est... Un drakkar. Putain, tu connais les termes techniques, hein. On voit que tu regardais la série Viking. T'as vu, j'ai regardé Viking et après j'ai arrêté. Encore des traces? Oui. Mais elles sont trop rondes. C'est peut-être un sanglier. Attends, c'est un... Non, bien. C'est un gigacerf, ça, mais genre... Ouais, c'est un élan. Énorme sabot, là. C'est des vénères. Et oui, tu t'es spoil, mais c'est bien un minotaure qui est en fait dans la mais forêt. Mais non. Mais non. C'était des traces de cheval. Par ici, Atreus. Bah, tu fais gaffe. Oh. Attends, des traces de cerf, elles sont fraîches. Par ici. Ouais, sans la merde, là. Il a dit des traces. Ça... Ah, ouais, des traces. Des traces. Ouais, ça se trouve, il peut pas être... Oh, il est beau. Il est majestueux, il est magique. C'est vrai qu'il était incroyable. On n'en trouve pas comme ça à côté de Besançon. Tu chasses le ça, ça me donne envie de le ce tuer, ça. Course. Oui, père. De l'argent. Oh, il y a de l'argent. On peut acheter des trucs. Y a plein de trucs. On peut acheter une oui, maison. Tu peux acheter... Non, c'est pas les Sims, mais tu peux acheter armure, armes, etc. D'accord. Non, toujours pas. Toujours pas. Il a cassé le pont. Oui, bah vas-y, prends traverser. Une décision, du coup. Écarte-toi. Voilà. Appuie sur... Ok. Mais non. Mais non. Wow. Et elle va revenir? Bah, appelle-la. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pouf, c'est incroyable. Pas mal. Le voilà. Oh, attends. Vite, laissez-moi appuyer. Je vais lui envoyer une hache dans la gueule. Qu'est-ce que tu fais?
Oh putain, oh, il va se le père alcoolique revient. Eh, il est abusif, hein. Tu ne tires. Non, il est dur. Que quand je te dis que tu peux tirer. Ouais, c'est vrai, non mais. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. À deux doigts de lui dire qu'être désolé, c'est pour les lopettes ou un truc comme ça. Il est vraiment, genre. extrêmement énervé, le gars. Trouve-le. Les traces de peinture que j'ai sur le corps, c'est du maquillage ou c'est un truc de dieu, genre. Genre ça part au lavage ou. Bah, le problème, c'est que si. L'histoire ne le dit pas. Si c'est du maquillage, ça veut dire que tous les matins, tu dois le faire. Ouais, c'est ça, ça paraît gênant, quoi. Oh, le clic droit pour attaque puissante. C'est vrai qu'il y a une... ce clic droit là, tu vois. Je ressens une impression encore, de puissance. Tu vas... Quand tu vas faire des parades, oh là là, mais mazette. Oh, dans les couilles. Hop là, et ça revient. Quand tu vas t'apprendre des parades et que tu vas faire des frames perfects, tu verras. C'est trop bien. Tu peux le taper pendant qu'il est en l'air, je crois. Tu sais, quand il est en lévitation, tu peux continuer des coups rapides. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh la joie de ça. Nice. Bloqué. Ah. Okay. Ah oui, oui, oui. Ok. En gros, tu bloques, bah tu sais, quand tu t'apprêtes à te taper. Voilà. Va sur ton pote, va sur ton pote. Ça régale. Est-ce que je peux... Attends. Waouh, wow. Ouais. Alors bah tu vois ça. Bravo, mais j'avais jamais fait comme ça. Je peux faire ça. Vogel. Oh, le double hit et tout. Putain, ça me régale. Ah, raté. Ouais, pas mal. Sympa de combattre. Après je sens que c'est des ennemis faciles mais ouais, c'est des ennemis faciles et t'as vraiment pas mal, quand même. Que les attaques les plus basiques. On va baisser un petit peu tout ça. On s'entend plus. Ils s'aventurent pas si près de nos bois d'habitude. Avance. Avance. De l'argent? Non, c'est pas de l'argent, ça c'est du... C'est de la vie. Ah, ok. Qu'ils avaient imaginé que t'avais pu en perdre. Peut-être pour ça que c'est vert. Oui, c'est vrai, à quel moment j'ai perdu de la vie dans ce combat? Jamais. Oh. Hop là. Ah, moi j'ai faim, hein, faut que le repas il arrive là. Sans exception. Bon, c'est une porte uniquement pour les dieux, ça, hein, putain. Regarde. Alors qu'aujourd'hui on a les portes automatiques à Super U quand tu ouvres. Tu peux me rendre mon arc? Ouais. Non. Tu peux l'atteindre d'ici. Tu peux ne pas me décevoir pour une fois. On devrait se rapprocher. Oh, oh. Ouais, bah. Bah. Pff, c'est vraiment mon fils, lui. Les emmerdes. Non, on est chassé plusieurs fois. Mais toi, t'as jamais voulu. Pourquoi le faire maintenant? C'était ce qu'elle voulait. Ah, je suis gêné de cette situation. Le moment est venu. D'accord. Je ressens la tension des drames familiaux là. Maman disait que tu étais très occupé. Vraiment, ouais, j'aime pas là. Hey! Hop là! Oh, on peut cancel le clic droit en faisant la parade, c'est vraiment sympa ça. Sympa de leur part de l'avoir autorisé. C'est un règlement intérieur. Ah. C'est vraiment un bon moment, j'ai vu que tu t'étais tourné juste pour taper les dents en même temps. Ouais, je, ah oui, je, tu peux taper au corps à corps aussi. Je suis pas sûr d'avoir fait exprès. Oui, en fait, quand j'ai plus ma hache. Oui, oui, quand t'as plus ta hache, tu peux fracasser. Hein. Aïe! Est-ce que je peux parer? Ah oui, bah j'ai quand même mon bouclier de toute façon, ouais. Ah là là, oh ça se passe mal. Prenez quelques coups de latte. Cancel son attaque, ce petit roubleur là. Hop. On va pas trop flexer, on va lui mettre ce qu'il mérite. Voilà. Ah bah je vois qu'on est déjà mid life. Eh, faut faire attention avec ces choses. En fait, j'essaye de faire les parades, mais quand je les rate, bah je perds de la vie quoi. Tu vois, parce que là j'attends, je pourrais leur ruiner la gueule. Mais j'attends qu'ils prennent leur responsabilité, faut attendre un peu, ok. Je vais choper ce timing. Ça c'est bon, c'est du bon timing, c'est pas du timing de l'opette comme notre fils. Ouais, faut pas faire, tu vois, là ça combat bien. Regarde mon fils, il fait quoi là? Il est en train de me regarder, voilà. Ah, faut que je pense, il fuit depuis tout à l'heure, il esquive les combats. Donc je pense que je peux le faire n'importe quand.
trop tôt, hein. De la vie. Je te conseille d'aller la chercher, hein. De la vie. On va quand même pas mourir au début du jeu, après on va être un peu jugé, je pense. Ah, j'ai essayé de sauter, ça m'a fait une belle roulade. Mais j'aurais aimé faire un saut. Je pense pas que tu puisses sauter, ouais, mais... Si, il y a des attaques sautées. Mais tu les as pas encore débloquées. Il doit y avoir un moyen d'ouvrir cette grille. Ah putain, faudrait presque qu'on s'accroupisse et que quelqu'un assez petit y aille. Je me demande comment on va faire. Même pas en rampant, tu y arrives. Ouais, mais de ouf, genre vraiment... Ah bah ouais. Ouais, on va peut-être faire ça, ouais. Ah non, il faut tourner un truc et ensuite faut la congeler. D'accord. Ah, il y a un poids, regarde, il y a des contrepoids sur les côtés. Ouais. Ouais. Et donc ? Ah ouais. Ah bah, non. La corde plutôt. Ah pas la. Non. Mais le petit rond là. Le truc c'est le que. Dessus, là. Le. Ouais. Bon. Oh, et ça va. Oh, ça servait à rien, mais c'était un truc par contre. Ah. Attends, derrière toi, regarde, il y a une corde. On prend toujours l'argent. Il y a un. Non, en hauteur. On dirait qu'il y a un. Là, tu vois, regarde. Ouais, ah. Regarde, on dirait qu'il y a un système qui permet. Incroyable. Et d'après, vraiment... tu congèles. Ah, ouais, c'est mieux parce que sinon, en fait, on est obligé de. On la tient d'une main et on fait ça, voilà, c'est vraiment. Et attends, à droite, y'a pas un truc qui s'est levé? Ah, si. Si c'est pas de l'argent, ah, ça. Ah, si. Si c'est pas de l'argent, ça. Oui, c'est des lootbox. Pas de l'argent. Dans ça, c'est... le jeu, y'a des lootbox, moyennant 15€ la boîte. Je sors ma CB s'il me le demande maintenant. C'est quoi? Pas besoin, c'est de l'argent. Nous aussi. On vient de piller une tombe là, c'est ça? D'accord. Ouais, t'es pas le dieu de la miséricorde, hein, t'es le dieu de la guerre. Ouais, non, mais y'a aucun problème. Je pensais qu'on avait des valeurs. Bon. Ouais, sans regarder. Quelqu'un se retourne même pas. Ouais, ouais, non, ouais, faut pas se retourner sinon c'est nul. Hop là, les petites bourses. Oh, je vais chercher de l'argent, on t'occupe. T'es trop jeune pour avoir de l'argent, tout est pour moi. Mais attends, c'est bien, je suis riche, ça en fait de la thune, hein. Ouais. Je vais considérer euros, que. Ouais. Je préfère me dire que c'est des euros et ça fait très plaisir à chaque fois que je les récupère. Ah, c'était une blague, fiston. Je te fais une nouvelle coupe, fiston. Oh, ça va, chiale pas, putain, rigole. Allez, vas-y, allez. Signal. Et ne me déçois pas. Détends, sinon, c'est une rouste. Essaie d'oublier que c'est un animal. Ce n'est qu'une cible, vie de ton esprit. Ah oui, c'est vrai que c'est toi qui contrôle la visée d'Arthéus. Pire, et lâche la corde. Oui. Le cœur est à peu près ici. Je vous le dis. Oui. The Hunter Call of the Wild nous l'a appris. Voilà. Bien. On connaît ces animaux ici. Et non, malheureusement, c'était un cerf magique. Le cœur est dans l'anus. Ah ouais, mais tu vois, ouais, c'est la subtilité. Les cornes bleues, ça veut dire qu'il faut viser l'anus. L'anus qui est un organe mortel, hein, à la chasse. C'est vrai. On n'y pense pas assez. Ça crée une hémorragie interne. Eh, allez, bah, fais pas, c'est bon. Finis ce que tu as commencé. Pense au gigot. Au bon tu rôti. Tu vois, ça, moi, dans la vraie vie, je pourrais pas le faire. Ouais, moi non plus. Et c'est hypocrite parce que je me régale quand je vais chez le charcutier. Ouais, mais c'est juste qu'il y a une étape où on préfère la skip. Hein. Ouais. Après, en SVT, j'avais fait une grenouille et je suis tombé dans les pommes, mais ça, c'est pas grave. Mais attends, ça se trouve, ça vient de là, ta phobie du sang. Et c'est possible, hein, parce qu'en fait, il y a des odeurs comme ça dans la vie que t'oublies pas. Et je me souviens des jours où on disséquait les grenouilles, je me souviens parfaitement de l'odeur qu'il y avait dans la salle. Ça sentait quoi? Ça, je peux pas te le décrire, mais je sais exact. Si je recroise cette odeur, je suis sûr que je tombe. Genre vraiment, c'est horrible. C'était un peu genre bloc opératoire. Bloc opératoire slash charcuterie slash. Ah, je sais pas, putain. Mais c'est marrant parce que moi je l'ai jamais fait le truc de dissection de grenouille. Ah, moi j'ai à l'école. Fait ça. Putain. Pourtant, on est de la même génération. Je sais plus si j'ai fait grenouille ou. Je crois que c'était des souris plutôt. Ouais, là je crois que c'était des souris et du coup, en plus, comme c'était, tu vois, vraiment plus anatomie de mammifère, tu vois, c'était vraiment dégueulasse quoi. Hey Arthéus. Ouf, le con. Bon, Arthéus, c'est pas grave, mais laissez-moi le cerf. J'ai faim. Non. On comprend rien à ce que tu dis.
Bah oui. On n'a pas le choix. Je suis le dieu de la guerre. Hein. Ton père. Il est vraiment pas protecteur avec son fils. Hein. Non, pas trop. Appuyez sur F pour ordonner à Atreus de tirer des flèches. D'accord. Ok. Ouais, en gros. Ouais, c'est ça qui est pratique. Soit tu fais F et il envoie une salve, je pense. Ah oui, il l'a fait. Soit, tu décides de viser précisément. Dis-moi quand tirer. Ok. Donc là, si je lui fais dans la tête, il essaye. Bon, c'est un incapable et une merde, mais il essaye. Oh, j'avais trouvé l'esquive, c'est dommage. Bon, ça il s'en fout. Il y a des points un peu colorés sur son corps. Ouais, je dirais. Si c'est pas là qu'il faut taper. Je dirais que c'est là. Bon, ah, je vais peut-être pas le demander à mon incapable de fils. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait du corps à corps le fiston, il a 12 ans. Oh le fils, ben voilà. Oh il prend il prend des dingueries. Oh le fils, c'est une crève Suzette. Vas-y. Ah ouais, il interrompt ses attaques et c'est peut-être à ce moment-là que je devrais le taper. Ah mais non, mais tu lui fais des dégâts, regarde en bas. Oui, en fait ça va, oui. J'avais pas vu, mais oui. je fais un peu de dégâts. Ah, il commence à m'en faire un peu aussi. Ouais, je pense que si tu le pars, ça doit marcher, hein. Ouais, je pense, ouais. Mais la parade n'est pas... Alors là, tu vois, je l'ai fait, mais ouais, c'est tellement puissant. Waouh, ouais, dis donc, ça déglingue. J'ai essayé de passer entre ses jambes comme tous les bons films. Mais ça n'a pas spécial. Oh, j'avais fait double espace. Là, la vie, ta vie est vraiment. Attention. Non, ça va, t'inquiète. Après, Miskin, je sais pas où est-ce qu'il doit tirer, Artéus. Bah, j'essaie de viser un peu. Oh, ah, alors là, marrant. Ta vie, par contre, il faut vraiment chercher de la vie verte. Je suis daltonien, donnez-moi de la vie. Cherche un point lumineux quelque part s'il y en a. Ah, là-bas. Atreus, rends-toi utile, sacré con de gamin. N'empêche, il résiste bien le gamin, il a pris plus de coups que moi. Hein. Ah ouais, pourtant le truc jaune, j'avoue que ouais, c'est vrai qu'on dirait que points sensibles. On dirait que ça va être plus efficace, mais apparemment les flèches d'Atreus cancelent ses attaques. Du coup, je vais peut-être attendre qu'il soit en train de m'attaquer et je vais dire ça va, gamin? Tout se passe bien. Il se prend des roues avec des rochers. Il prend tellement cher. Vas-y, maintenant. Ah ouais, non. Ah, les sacrés coups de latte qu'il me met aussi. Faut que j'attende un peu avant de faire les esquives, comme ça. Ouais, non. Ah non, elle t'es pas pour toi, elle t'es pour lui. Le coup de poing dans la nuque. J'avais oublié ma hache. Bon, il suffit que j'attende et je pars et c'est bon. Ah, j'ai bien pris celle-là. Ouais, tu vas pas voler. Utilise tes émotions, Atreus, c'est pas le moment, mais. Mais bon, n'hésite pas à utiliser tes émotions, vraiment. Attention, il reste plus grand chose. Un petit coup. Allez, le petit dernier coup dans l'anus. Waouh, oui, l'humiliation. Voilà, une bonne rouste. Ça se termine comme dans les bars. Coup de poing à Angel. Oh, ouais. Oh, ça me fait mal pour lui. Aïe. Bien fait pour toi. Atreus. Bah, futur serial killer a priori. Ouais. Il est pas normal, bon, bah, ce qu'il fait là. Il y avait pas de psychiatre à l'époque, c'est dommage. J'ai peur de personne. Atreus, regarde-moi. Il y a un problème avec, Atreus. Avec la mère. Oui, on sent, hein, on sent une certaine souffrance. Il a manqué une étape là. Oui, d'éducation, certainement. Peut-être pas de tendresse dans son enfance. Un manque de câlin. Tu n'es pas prêt. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette bataille avec un premier boss? Alors, dès lors que j'ai arrêté d'essayer de faire des trucs bizarres et que j'ai juste bien utilisé mes esquives, j'ai pris du plaisir. Impressionné par la qualité des combats et l'environnement aux alentours? Pas du tout. Le gars qui est très sincère. Pas du tout. Eh, j'ai oublié, je suis pas dans le mode le plus facile du jeu. On est dans un mode normal. C'est bien. C'est bien. Ouais, c'est l'équivalent normal. Par contre, tu récupères pas ce qu'il faut. Si. Miam, miam. Et 3181 euros. Putain, c'est. Un peu de pu, on va attendre le budget de l'OP. J'aime bien.
Oh. Nick. Et si vous aussi vous êtes pas des lopettes comme Artus et que vous voulez combattre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, Lark? Ah bah ils peuvent aller sur l'Epic Game Store et aller chercher God of War qui vient de sortir sur PC et mettre le code créateur Wankil. Et ça nous régale. Exactement. La jauge. Ça vous fait plaisir et ça nous fait plaisir. Il y a marqué qu'est-ce que vous attendez? Il y a marqué R3, je suis un peu scandalisé par ce portage PC. <Voilà. rire> lancer une attaque contre l'ennemi pour acheter des dégâts d'étourdissement qui permettront à la jauge de se remplir quand elle est pleine. Ok. Les flèches et... D'accord. Eh bien, envoie-lui une salve de flèches. Vas-y, encore. Mets-lui tout. Vas-y, ah. Et là, tu dois y aller et... Je suis vraiment désolé pour ce que je vous ai fait. Vraiment, c'est honteux. C'était trop violent. C'est honteux, vraiment. Je suis désolé. Mais il me semble, mais tu l'as peut-être pas encore, que t'as une barre de rage. Et il y a un état où t'es là, t'es tellement violent que tu te bats à main nue et tu te défroies et tout. C'est vrai que je voyais le jeu un peu plus prout-prout, gentillet. Mais en vrai, c'est vraiment juste. Mais il non, est énervé, c'est le mec. C'est hyper violent, c'est Kratos. Non, le mec est énervé. Il n'y a pas de. Tout ça pour de l'argent. T'as pas en plus. Cassé les tonneaux alors ça se voit qu'ils se cassent. Ça vous fait chier hein. Allez hop. Oh putain, il y a quoi dans les deux autres là? Les deux pour le prix d'un. Oh putain, tu me fais faire des trucs inutiles, on perd du temps. Hop là. C'était quoi là-bas? C'était rien. Ouais, justement, c'est quoi? On saura jamais. Là. Oh, il a trop cru à gauche. Chez. Rends-toi utile, voilà. Hop, j'ai envie de faire j'ai envie de faire une molette là. Envoie des flèches, j'ai envie de faire une molette. Bon. Tant pis. Lui, on va le faire au point. Comme ça, on va lui faire un fatality à la fin. Voilà. Ah. Un régal. Oh, vous brûlez, oh monsieur. N'allez surtout pas dans le foin. Surtout pas. Oh. Dis donc, on est dans Game of Thrones. Dans Game of Thrones. Et oui, c'est ouf ça. Oh, étourdis-lui sa mère. Il résiste aux attaques de la hache Léviathan. Est-ce que tu résistes à mes grosses patates de forain? Et aux flèches de mon amour petit fils. Oh là là. Sympa, vraiment sympa, j'aime bien. Bah voilà. Ça, j'aime bien. Petit à petit, tu vas être conquis, tu vas commencer à arrêter de chouiner et je te verrai en train d'y jouer en off. Ils ont pas eu tout faux hein, sur ce jeu, hein, vraiment. Il y a des trucs qui ont été réussis. Hein. Hop, ça, j'aime bien les prendre même quand tu sais que si tu vas là-bas, on saura jamais ce qu'il y avait derrière le portail bleu. Le portail bleu, il y avait rien, je pense. Tu vois, je dirais qu'il y avait rien. C'est peut-être rien, mais j'aimerais quand même savoir. Regarde. Il y a rien du tout. Regarde. Ça va dire, c'est fermé. Portes, hein. Silence. T'arrives toujours pas à ouvrir les portes, tu peux mieux parler à ton père. Comment il s'est foutu de ta gueule. Petite merde. T'arrives toujours pas à dire je t'aime. Hein, hein. Tu veux toujours pas m'aimer. Hein. J'ai pas réfléchi. Il a même pas flexé des genoux. Je l'ai attrapé comme un moustique. Ouais, je suis tombé comme une masse. Pourquoi un troll de feu voudrait brûler le jardin? Je viens de découvrir que j'allais que je pouvais courir et je vais comme un TGV là, vraiment. Je ne sais pas. Maintenant tais-toi, on est presque à la maison. Sniper. Ok. C'était juste une porte hein. Ça ne sert à rien. C'était une porte toute simple. Le mec devient complètement fou. Tu sais où tu vas? Ouais, je connais bien cette forêt. Parce que là, on dirait que tu retournes exactement d'où tu venais ici. De base. Non, je crois pas. Ça me pas. Revenir en arrière, je connais parfaitement cette forêt. On va juste. Ah, attends, y'a ta femme derrière? Bah ouais! Oui, enfin, allez, avant, elle était là, quoi. Putain, mais c'est très mal isolé, hein. Pardon, Kratos, mais c'est du travail de merde, hein. J'avoue, c'est. C'est toi qui as construit cette piole? Pour taper, il y a du monde, mais pour construire, il n'y a plus personne. Hein.
Si tu prenais moins de temps à te maquiller le matin, tu pourrais bosser sur des choses essentielles. Hein. Hop, un peu de maman par-ci. C'est très bon pour se brosser les dents, là, sans doute. Ça a des vertus. Et toi, étale-toi là, partout sur le visage, là, grand fou. Sur le corps. Ah, c'est vrai que t'avais raison, elle était juste derrière nous, là, le tas de cendres. Ça, un peu triste. Ah. Ah, on va quand même récupérer sa bourse. Mais non, il a mis les cendres quelques dedans. Euros. On va quand même pas gaspiller des pièces. Ah, il a tout récupéré dans ce... D'accord. On tient dans peu de choses, hein, quand même. Au final, on est peu de choses. Hein. Ah ouais, c'est coquet, mais il y a des trous partout, quoi. Ah, disons qu'en hiver, c'est pas pratique. Quoi, que ta mère soit morte, si, c'est juste. Tu t'es laissé emporter. Cette chose voulait nous tuer. Et toi, tu te mets tout le temps en colère. La colère peut devenir une arme. Si tu la contrôles, tu peux t'en servir. Mais ce n'est pas ton cas. Pensez, vous croyez qu'à la fin, en fait, c'est le gamin qui va apprendre des trucs essentiels de la vie à son père. Très bien. Moi, je pense que c'est ça. Très bien surpris quand tu verras que le gosse il va mourir dans 5 minutes. Alors vas-y. Oh, j'espère qu'il crève. Tu veux que je te frappe ? Je veux que tu essaies. Aïe ! Pourquoi tu... Recommence. La taille de ses mains par rapport à la tête pourquoi du fils. Pourquoi tu fais ça ? Tu es trop lent. C'est vrai il que... Il va l'écraser. Putain. Mais arrête ! Trop mou, essaie encore. J'ai rien qu'il attrape sa tête encore. Et qu'il l'empêche de faire quoi que ce soit. Ah mais il est d'une faiblesse. Heureusement qu'il tire des flèches, hein. Cette colère, tu peux te perdre en elle. La route est longue et difficile. Et toi, Atreus, tu es loin d'être putain, prêt. Putain, le barbier de Kratos, il doit être vraiment... Silence. Non mais il y a un travail magnifique. Hein. C'est du bon travail. On l'a vu de profil, là, c'était quand même... Ah. Bah c'est le métro qui passe au-dessus de la maison, hein, forcément, hein, c'est mal installé. Il y a tout qui tremble. Faut être culotté pour toquer chez le dieu de la guerre et dire « C'est rien de te cacher !» C'est le fils qu'on a vu nos lettres de relance. Sous le plancher, allez. Tu m'as toujours interdit d'aller là-dessous. Tu m'as dit qu'on avait tout déclaré. Je suis pas certain, je crois que j'ai un petit document. Dis-moi seulement ce que je veux savoir. Inutile de faire couler le sang. Ce serait-il pas l'abruti de la famille ? Je te voyais un peu plus grand. Mais pas de doute, c'est bien toi. Est-ce que c'est genre mon beau-frère ? Tu es bien loin de chez toi. Je ne sais plus qui c'est. Qu'est-ce que tu veux ? Oh, je suis persuadé que tu le sais déjà. L'héritage ? Peu importe ce que tu cherches, je ne l'ai pas. Passe ton chemin. Et moi qui croyais que ceux de ton espèce étaient sages, tellement meilleurs que nous, tellement plus brillants. Pourtant, tu te caches ici dans les bois comme un sale. Tu es sûr de vouloir te battre ? Oh. Je pense qu'il est pas sûr. Mais c'est bien pour ça que je suis là. Pardon ? Ah. Tu vois, moi ça, je l'aurais pas fait, par exemple. Bah ouais. De chez... moi. Il a des sacrées couilles, hein. Oh. J'ai bien peur que tu doives me tuer pour ça. Il a rien senti, il sent rien. Ah ouais, bah ouais, forcément. Hein. Voilà, ça c'est une patate. Tu aurais dû écouter. Non. 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 D'accord. À mon tour. Ah!
Tu l'as pas vu dire celle-ci, hein. J'avais oublié, c'est mon cousin, le dieu des alcooliques, là. Il a aussi une force surhumaine. Ah putain, d'accord. Merde. Ah, je suis terrible. On pourrait quasiment être le méchant du jeu, bordel. Allez, amène. Là, il est quand même en train de te dire que toi, c'est de la gonflette. L'étranger. Bon, c'est une merde. Oh, bah, c'est quand même une sacrée rousse, toi. Pathétique. J'appuie sur F, mais il y a le gamin qui tremble sous le paillasson. Merde. Il me fait rien faire. Olé, olé, aïe, aïe, aïe. Ça fait mal, ok. On va y travailler nos skills de parade, là. Oh, oh le malade mental. Oh, le malade mental. Oh, ah oui. On avait dit pas le droit à la magie, Harry Potter. C'est quoi, ça? C'est un ouf, lui. Ouais, il se fout de ta gueule, en plus, ça. Ouais. Un taunt, un coup de pierre. Ouais, bah c'est esquivable, en fait, hein. Ouais, ouais, ça va. Oula. On va casser les couilles, par contre. Il est en train de m'humilier devant mes viewers, là. C'est bon, aussi. Ah, ah, l'arbre à tout prix. On dirait un mec qui veut tout calculer. Ah, l'arbre à tout prix, ça a décuplé ta force. Wouah. Wouah. Bon, il a un tiers de vie en moins. Bon bah super, moi aussi. Oh, tu m'as saoulé. Oh. Dégage. Oh bah, alors ça, c'était bien fait, ça. Bah ouais. Mais je... Bah, on va le faire. Dégage. C'est hyper agréable. On peut faire ça plus souvent. Oui, j'ai appris, ouais. Yeah, ouais, ouais. Il était hors champ. Dégage, connard. Oh, dans mes côtes. Oh, putain. Dans l'enfoiré. Oh, le balachiot. Oh, le catcheur. Dis-moi ce que je veux savoir et je te laisserai tranquille. Ah. Attention aux pierres sur le paillasson, j'adore ce paillasson. Fais attention quand même. Ah oui. Oh. Oh. Ah ça c'est satisfaisant. Et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà. Oh la purée de petits pois. Oh là 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 là, mais t'as plus de visage. Ah. Putain. Eh, ça se bat bien ici, hein. J'ai touché un point sensible, on dirait. Serre-toi du tronc et mets-lui dans la gueule. Yeah. Wouhou. Comme au bon vieux temps. En fait, on s'adore. Ah ouais, à la fin, c'est genre tu te prends. C'est sûr. Bah alors, tu saignes. Ouais, ouais, j'allais dire. Oh non, oh non. On remet ça. Et ben bah voilà, bah super. J'arrête pas d'appuyer sur A, putain. Laissez-moi. Tu refuses de parler? Très bien. La personne que tu caches dans cette maison sera peut-être plus loquace. Y'a personne. Et de regarder surtout pas sous le paillasson. Oh la rage spartiale. Wow. Oh, l'arbre, il est resté deux marbres. Yeah. Oh, je suis fort avec les arbres. Oh, trop stylé. Incroyable. Troisième round. Oh, je suis en rage. Ah, c'est ça la rage dont je parlais. Ouais. Plutôt stylé, ça. Ouais, tu vois, il est vraiment très énervé. Voilà. Ah ouais. Oh, ça tabasse. Oh, yaya. Ouais, c'est incroyable. Oh, il m'a vénère, il a parlé de mon fils. Je parle pas de mon fils. Ah, j'ai plus de jus. Ok, il est midlife. Bah, je t'ai bien baisé, moi, je dirais. Ouais. Ça dégage. Oh, putain. Oh, tu casses les couilles, par contre. Espèce d'imbécile.
Allez, plus de 2 barres. Ah, j'ai tenté l'esquive. J'ai tenté l'esquive, mais ça n'a pas marché. Oh, ça joue, hein. Ça joue, enfoiré. Oh, pourquoi j'ai sorti mon bouclier? Je sais pas, c'était gênant. Pardon. Ouais, ça passe. Let's go. Allez. Il m'a défoncé. Ouais, là, c'était vraiment pas de bol. Là, c'était l'humiliation. Ok, ok, vraiment quelques coups encore. Yes. Allez. C'est bien fait les fights, les caméras et tout, les petites interactions. Ouais. Ça là, ouais, on aime bien ça. Continuez. Super. Je crois que la montagne allait s'écrouler sur sa gueule. Mais si, mais bien sûr, mais c'est... Mais oui. Mais bien sûr. Oh là là. Donc c'est ça. Est-ce que ce déferlement de violon, c'est pas super satisfaisant? Oh, j'ai kiffé là. Ah ouais, c'était... Ouais. Parce qu'il était un peu énervant le gars, donc... Attends, c'est bon, t'as fait le tour pour vérifier qu'il était bien en dessous. C'est bon. Il est mort. C'est par où la maison? Bah, rentre à la maison, c'est à gauche. Hein. Ouais. Voilà. On m'a bien amoché l'enfoiré. Wow! Tu pars déjà. Non! C'est impossible! Il est chiant, qu'est-ce que je lui ai fait? J'ai baisé sa mère là, qu'est-ce qu'il veut là? Il a toujours pas posé cette question. Oui bah séparons la planète en deux, comme ça on se verra plus. Fait chier. On fait 50-50, allez. Ton corps va finir par lâcher. Mais avant que je l'achève, il y a une chose que tu dois savoir. Je ne sens rien. Rien. Oh, il m'a saoulé. Mais No Fake, c'est genre une des meilleures scènes de combat que j'ai vues de ma vie. Elle est incroyable. Ça ne s'arrête bah jamais. Non mais je voudrais reconnaître. Bah voilà, je te dis, pourquoi tu chies sur un jeu console alors qu'ils ont sorti ces jeux-là? Parce que j'aime bien. Le gros casse-couille de service. Je sais qu'il va m'appuyer sur la main avec sa chaussure. Enfoiré, putain. Tu fais chier. On m'a dit d'aller faire Titi et Grominé, il allait enlever un doigt par un doigt. Ça t'emmerde. Tu sens tout et pourtant tu crois. Oh la rage. Oh, d'abord un petit glow up. Si tu m'avais donné ce que je voulais, on n'en serait pas là. Mais non. Finissons-en. Mais je t'ai déjà battu une fois. Foiré. Je la connais pas celle-là. Je peux pas me battre. Elle était nulle ta nouvelle attaque. Ah chier. Oh, j'ai mal paradé. Oh, je pense pas que t'avais l'éjecté. Bah je l'avais mais j'ai oublié d'appuyer. C'est dommage. Voilà. Ah voilà. Ça sert à rien. Je sais pas si ça lui arrive beaucoup quand je fais ça. Non mais c'est satisfaisant. Ouais, c'est sympa. Putain, ça commence à être pas facile là. J'espère qu'ils vont me donner un peu de vie à un moment parce que je pense que je vais prendre des patates. Bah, le problème c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune fiole de santé. C'est pas évident. En vrai, c'est pas évident. Ouah, j'appuie sur A, les gars, j'appuie sur A. Pitié, aidez-moi. Aide-moi le jeu là. Parce que c'est énervé le cousin là. C'est toujours pas un cousin, hein. Oui, c'est mon pote. Pourquoi t'es parti du principe que c'est un mec de la famille? Pour moi, il est de la famille. Je sais pas. Mais arrête, cousin, vieux fou. Je sais pas pourquoi. Ah, je le combats mal, là. Ah.
Après, il y a ta rage qui monte. Hein. Oh putain, heureusement que tu l'as suivi celle-ci parce que. Ouais, je pense qu'elle était vénère. Ah, tu la cancel ? Ouais, j'ai tapé son attaque. Oui, ah, ah voilà. D'accord, voilà. Faut que je reste appuyé, bordel. C'est mieux ça. Oh là, oh là, oh là. Oh, oh putain, ouh, c'est simple et efficace. Oh là là. Ah merde. Oh là là. Allez. Ok, tu, on fait qu'une barre de vie là. Ah ouais, il a plus beaucoup de vie là. Yeah. Ah bah c'est quand même beaucoup mieux pour le combo, bordel. Ah. Ouais, ça aurait pas été drôle. Il reste plus grand chose. Tant ta mère. Ah, il fait plus sa gueule que tout à l'heure quand même là. Ouais, ça va, il commence à être. Ouais, voilà, c'est bien. Mais c'est incroyable. Je savais que toute cette violence te plairait. Moi, bon, j'adore. Oh, mais j'adore. J'espérais qu'en t'affrontant, toi, entre tous. La vidéo va être démonétisée par contre. Il y a un peu de sang. C'est impossible de traumatiser. Hein. Deux hommes ultra musclés se battent dans la confiture. C'est ce que je mettrais quand je ferai appel. Ah merde, je vais péter la nuque. Chier. Ça y est, il est. Oh. Bah, je sais pas s'il peut être mort vu qu'il a l'air assez puissant, mais je... là il est un peu stun. J'espère que c'est pas comme Gollum quand il tombe et que finalement il est encore pas. Il pas revient mort. Toujours. Ah, je crois que c'est fini. Ils m'ont fait croire quand même 2-3 fois que c'était fini. Hein. C'est. Ouais, mais c'est la règle des 3. C'est ouf. Ouais, c'est vrai. T'as dit dis-toi que, et après j'ai jamais eu. Parce que j'ai. Tu vois, le jeu c'est un peu des parades, frame perfect et tout. Dis-toi que quand j'ai joué au jeu, à cause de mon câblage HDMI qui avait une latence entre ce qui se passait sur ma manette et l'écran. J'avais une seconde de décalage entre ma manette et ce qui se passait à l'écran. Oh, horrible! Et j'ai fait la moitié du jeu et j'ai dû arrêter parce que ça devenait trop dur. Genre, c'est. Bah ouais. Parce que vu que c'est à la seconde près, généralement, bah. Comme quand je pouvais pas pêcher dans Animal Crossing et que tout le monde se foutait de ma gueule. Alors qu'il y a un vrai décalage avec les cartes de capture. Ah oh ouais, prends la santé là. Dommage que j'ai pas eu de la rage. Ce petit combat. Ouais, t'allais finir par en avoir, mais c'est pas changé jusqu'au bout. Mmh. Dommage, j'ai été trop rapide pour le combat. Non, par contre, si depuis le début j'avais su que je pouvais rester appuyé sur clic droit et que c'était ça qui le mettait en l'air, pour le combo c'était quand même vachement bien. Ouais, parce qu'en plus tu peux l'enchaîner pendant qu'il est en lévitation. Ah ouais. Pardon. Je suis rentré. Ça va? Bon, ça va, j'ai juste vomi. Bon, ça va. Mais on ne peut pas rester là. De toute façon, c'est vétuste. Ouais, on perd pas grand chose. Hein. On voit même pas qu'il y a eu un combat par rapport à avant. Atreus. Avec tout ce bruit, j'ai cru que. Je me suis chié dessus. Littéralement, regarde. Toi, mon froc, il est foutu. Bien. Prends tes affaires. Nous je croyais que c'était des meules de fromage derrière. C'est des pots en fait. Ah ouais, j'avoue, au début, ouais, quand t'as dit que c'était pas du fromage, j'ai cru que c'était des citrouilles. Genre vraiment. Mais nous n'avons plus le choix. Prouve-moi que j'ai tort. Oui, père. J'avoue, comment tu peux être gentil avec le gamin après des journées pareilles. Oh putain, allez, va te coucher. On m'en fait pas chier là, putain. Allez. La montagne. Ça va être un long voyage. Il est long comme jeu ? Mais c'est pas ouais, long, non ? Wow. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, mais jamais putain. Redondant, et ils savent impressionner les joueurs. Oh, c'est bien. Qui c'était ? Je ne sais pas. Le troll que t'as combattu, et lui, c'était vraiment un avant-goût de ce que tu vas vivre dans le jeu. Tu l'as tué ? Au niveau de la difficulté aussi, non ? J'ai fait ce que j'avais à faire. Yes ! Forcément. Ouais.
Parce qu'en plus, plus tu progresses, plus t'as des améliorations d'équipement, des nouveaux combos, des nouvelles attaques. Ouais, bah ouais. D'accord. Parce que là, j'ai rien appris, là. Je suis brute de pomme, j'ai rien. Surtout que là, t'as une hache, mais God of War, normalement, Kratos, il a deux grosses dagues. Là, c'est la première fois qu'il a une hache. Donc du coup, en tant que joueur fan de God of War, tu te dis, j'aimerais vraiment revoir les dagues. Bah oui. Moi je pense on va avoir les dagues hein, parce que vu ma connaissance du jeu c'est inévitable. Tu dois fermer ton cœur. Au cours de notre voyage, nous devons affronter de nombreuses créatures. Ignore leur désespoir. Ferme ton cœur à leur souffrance. Tu ne dois pas ressentir de pitié pour eux, ils n'en auront pas pour toi. Bébé. Je comprends. Non, t'as rien compris, je pense. Toi, il a une bonne détente le gamin. Il est chaud, merdeux, il là. Tu crois que c'est là depuis tout ce temps ? Tu veux bien m'aider à monter là-haut ? J'aurais oui. une meilleure vue. Oui, je... Ok, vas-y. Oui, catapulte ! J'aimerais bien que tu l'envoies beaucoup trop haut et il dépasse la falaise. la seule chose à faire, c'est de traverser ce pont. Ouais ? Super petit génie. Eh ben... On va péter cette chaîne. Non, d'abord on va prendre tout l'argent disponible. De l'or. Voilà. Argent, oui, c'est marrant l'argent. 72 euros. Quand est-ce qu'on a de l'or ? Oh. Miam. Oh, ça y est, maintenant qui c'est qui peut avoir de l'argent ? Bah, tout est vide, hein. Eh hey. Tu crois pouvoir la baisser ? C'est marrant, je pense que. Waouh. Vas-y. C'est bon. Je t'ordonne de libérer la chaîne. Oui, père. Merci. Attends, mais à tous les coups, tu devais retraverser le pont. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Ouais. Ah, attends, à droite. Parce que là... Oh le coffre. On aime bien ça. Oh putain, non mais je peux pas ouvrir le coffre comme tout le monde. Le mobilier. Oh, c'est vraiment usage unique. Non, ça c'est honteux hein. Pourquoi il descend la chaîne alors qu'en vrai on l'a vu sauter de 10 mètres de haut sans fléchir les genoux. Ça va, on connaît hein. Il faut bloquer le mécanisme. Ouais. Bah ouais. Attention à ne pas rappeler ta hache. La touche est Quoique, proche. Si tu la rappelles au moment où t'es au bout du pont, ça peut peut-être faire une catapulte. Oui, ouais. C'est pour les offrandes. Maman disait que les disciples de Dain les remplissaient de cadeaux et les accrochaient hors de portée. Oh l'argent. Comment tu vas faire pour récupérer cet argent? Atreus, va chercher l'argent. Putain de merde. Dieu n'ont que faire des offrandes. T'es partagé. Ah, il y va quand même, hein, le fumier. Combien? Je suis un rat. Tout ça pour 289 euros, c'est rien. Je suis le rat. Allez. Oh. Tu sais, quand tu. Inoxac, t'as vu sa vidéo où il fait venir la meuf du Mexique là et il lui fait faire que des dingueries pendant une semaine, genre. J'ai il pas a tout peut-être vu, pour 20 000 mais... balles. Ouais. Et ben, peu de temps avant, il faisait un live caritatif pour les animaux et il a dit qu'il pouvait pas donner plus de 150 euros. Est-ce qu'on croit mais c'est vrai route oui. 150 Oui, il a donné 150 euros. Il a dit qu'il pouvait pas donner plus. Je le vois trop faire l'acting en mode non, les gars, c'est chaud, je peux pas. Oh ah, merde. Il est fort. Ah, les animaux, les meufs. Ah, on il sait a posé pas, de pourrer le compte, il s'est dit bon allez. Attends, pourquoi t'as descendu la chaîne? Bah en fait, je pouvais y aller comme ça, mais en fait... C'est au cas où tu veux y retourner en bas, mais pourquoi tu voudrais retourner en bas? C'est au cas où... Bah ouais, je sais pas, je vois pas pourquoi. Ouais, si, non, peut-être si t'as pas vu le coffre là-bas ou... Ouais, ouais. Bon, si t'es débile, peut-être pour certaines personnes du chat qui auraient fait que de cette manière, mais... ici, pas besoin, quoi. Mais ne cours pas, il y a un précipice. Okay.
Regarde. Tu veux que je dise que c'est beau, c'est ça? Tu veux que je le dise? J'ai pas besoin. Non, mais y a pas besoin de le dire. Protégé par un symbole. Mais le symbole est brisé là. Puis la BO. Oh, les cœurs. C'est toi qui les a coupés. Elle avait marqué les arbres qu'elle voulait pour son bûcher. Pourquoi elle a fait ça? Viens. Putain, il met longtemps à réfléchir. Ouais. Wow. Au final, il a pas pu répondre. Hein. Ouais, les, le singe avec des cymbales à l'intérieur, là, c'est très grave. Hein. Wow. Ah, il a pas musclé le cerveau, celui-ci. Hein. Oh putain. Qu'est-ce qu'on dit, le c'est un très bel immeuble, mais le dernier étage est vacant. Oh putain, alors là, ouais, je connaissais pas l'expression, elle est sympa. Hein. Elle vient de loin, celle-là. Je ne sais pas. On y sera avant l'hiver. Je ne sais pas. C'est bon. Putain, c'est vraiment sympa d'avoir des cadavres comme ça qui donnent tout leur argent. J'adore. Il nous voit pas. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut tirer parti de d'être discret? Ben, aucune idée. Je pense qu'après il y a des attaques, mais peut-être que tu peux en tuer d'un coup s'ils ne surprennent pas. Ouais, je sais pas. Fais gaffe, il y a un seau rempli d'argent juste au-dessus de toi. Oh bah, merci d'avoir prévenu. Si t'es assez gourmand, pendant le combat, tu le viseras pour le faire tomber. Je vais pas hésiter. Putain, c'est... C'est gratifié, hein. Et on s'en refait un. Oh, on la connaissait pas. Ouais, ça fait monter ta rage, ça c'est pas mal. Ouais, c'est... Oui, voilà. Ça a quand même un intérêt au-delà du flex. Et ta hache, c'est pour les singes? Je leur laisse. Indicateur de menace. Ah oui, bah je l'ai vu avant. Ah, en rouge, d'accord. D'accord. Ça te permet de faire une parade à la limite, bah ouais, quand t'as pas la caméra fixée. C'est ma touche favorite, ça y est. Oh, oh. Oh bah, oh, faudrait savoir. Je veux toute la rage. En fait, rage. C'est juste que tu veux la rage, c'est pour ça que tu prends pas ta hache. Je veux, oui, en fait, c'est vraiment pour ça depuis tout à l'heure, j'en prends pas. Donne-moi du jus. Ne les laisse pas souffler. Envoie la note. Eh, vous êtes beaucoup là. Ah, je récupère l'argent quand même. Hop, merci. Vas-y, tu pouvais utiliser ta... Regarde, ah, il a sauvé. Tu pouvais l'utiliser. Ah ouais, merde. Y'a pas que au point. Ah ouais, 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 ouais. Oh, les mecs de feu. Attention, là, attention. Projectile en approche. Ouais, les... Et là, t'as toute ta rage, hein, si jamais tu veux désinguer. Ok, est-ce que je la garde pas? Je sens que ce combat est bientôt fini. Est-ce que je la garderai pas pour plus tard? Peu. Hey! Si elle ne se gaspille pas, hein. Je suis presque prêt. Et ce fameux saut, alors? Ah! Comment c'était? Oh! Si tu veux m'aider, toi, tu fais diversion. T'as chance d'avoir trouvé tous les sauts du jeu. Couper, c'est je pense. Combien? Eh ben... 800 au total, là. Oh, je connais là, ça. Regarde. Bien. Mirkish. Je croyais que t'avais chanté. Chante avec moi, mon fils. Uniquement les langues que maman connaissait. Mais elles se ressemblent toutes, alors. Ouais, comment c'est il me grimpe dessus comme une araignée, lui. Qu'est-ce que... Miam. Vous n'en aurez plus besoin. Attention, eux ne craignent pas la hache. Mais est-ce qu'ils craignent le catch? Oh non, reviens! Voilà! Oh, c'est pas du catch, ça. C'est pas homologué, ça. Oh là là.
Autre chose ? Espace tes tirs, la vitesse te fait perdre en précision. Compris. Ouais. Ah ouais, ce sera pas trop ça. Yes. La loot box. S'il y a que de l'argent, c'est quand même décevant. Est-ce qu'on peut commencer à trouver des choses incroyables ? Eh oui, mon gars. Baiser de L. Attaque runique rapide. Soudain explosion d'énergie qui interrompt et renverse tous les ennemis à proximité. On prend ? Bah oui, évidemment que tu prends. Ah, il est en anglais pour insérer les gemmes runiques dans les emplacements prévus à cet effet. Le baiser de L. Vous pouvez équiper. Oui, je sais. Chaque attaque runique dispose d'attributs et d'un temps de récupération. Utilisez l'XP pour améliorer les attaques runiques. Mais j'ai 0 XP, je suis une merde. D'accord. Ouais, et donc, vous pouvez équiper. Oui, je sais. D'accord. Et donc, c'est A. A plus ah, clic gauche. Ah, oh, bah, ok, c'est plutôt simple. J'ai vu ce. T'avais des trucs dans l'armure, non ? On voit que c'est. Dis donc ! Eh bah oui, alors ! Alors, on m'a pas dit ça ! Les enchantements peuvent uniquement être placés sur les pièces d'armure et établissements de. Ouais. D'accord, est-ce que. Est-ce que t'en as pas ? T'as pas dû en choper. Hein. J'ai envolé en placement vide. Symbole. Donc là j'ai inséré. Ah oui, d'accord, ouais, c'est bon, j'ai capté. Et attends, t'as pas de trucs, hein. Attends, parce qu'ils m'ont sorti de mon menu. Ouais. Wow, bon. Comment t'as fait. Mais oui. Est-ce que j'ai des emplacements? Un emplacement, mais. Ah ouais, non. J'ai rien t'as pour mettre dedans. Mais t'as rien à mettre. Cependant, je dois avoir une belle robe. Oui. J'ai mis ma nouvelle robe. Sympa. Et je n'ai rien de toute façon. Kirtané. Et ça, un autre bouclier? Ça, c'est. Ah, c'est un bouclier, ça? J'ai pas d'autre bouclier. Ah non, en fait, pas du tout, c'est un talisman. D'accord. Oh, pour le gamin, on va peut-être. Oui, bon, allez. Les ennemis étranglés par Atreus subissent plus de dégâts. Une tenue de deuil. Bah oui, écoute. Ouais, vas-y. Tu respectes. Et dans les armes? C'est quoi le. Dans les armes. Bouclier, nouveau. Ah oui. Oh ouais, attends, et ça c'est. Oh, je dirais pas que ce serait pas par hasard Epic Game Store qui nous aurait régalé. L'Epic Game Store, bouclier rare. Oh là là, alors. Tac tac, c'est très joli. Très joli, je suis un peu dark dans mes goûts. Attends, fais voir les autres en bas. Ah, moi je suis très noir et doré, j'aime bien quand même. Ah ouais? Ah, il est beau celui-là vert aussi, hein. Ah, c'est beau ça! Celui-là, non, celui-là est beau. Celui-là est très beau, lui. Ouais. C'est entre le doré que tu aimes et le dark que j'aime. Ça me va. L'arc, bah toi, t'auras rien du jeu, je vais rien te changer, t'auras rien, jamais rien. Je vais même d'ailleurs mettre un lance-pierre à la place de ton arc, tu vas te démerder avec ça. Tire à te faire mettre. Ah, je peux acheter des trucs, j'ai assez d'XP. Mais est-ce que je veux mettre l'XP là-dedans ou est-ce que je veux mettre l'XP? Mets l'XP dans les combos qui sont les plus simples à faire au début. Parce que là, le maintenir clic droit, il est magnifique, tu vois. Hein. Moi, j'adore cette. Ça se fait, hein, tout ça. Mais regarde ça aussi, hein. C'est du maintien. Ah, ouais. Ah ouais, putain, en plus, il balance, regarde, il balance sa hache et tout en mode boomerang. Ouais, c'est 3 attaques rapides et une puissance. Mais. Je te conseillerais quand même les. Une plus simple, soit celle-là, soit ouais. Celle-là. Ça c'est pas mal parce que. Celui-là je le fais souvent en fait. En fait, je le fais très souvent. Ouais, par contre, c'est satisfaisant. Je vais plus les lancer en l'air. Mais bon. Ouais, mais regarde ça. Oui, non, mais c'est très. J'adore. On va s'amuser. Et ça, c'est grâce aux euros qu'on a récupéré. L'XP et l'argent. Attends, non. Ah non, c'est... on l'a non, payé non. En XP là ouais, je croyais ouais. Qu'on avait payé en argent. Et du coup, l'argent, c'est de cosmétique l'argent. Je sais pas. Bah soulève-le, gros con. Putain, je suis obligé de tout faire. Allez, hop. Vas-y. Il a 11 ans, hein, je le rappelle. Ouais. Voilà la montagne. Allons-y. Attends. Ça craint rien. Bon, et là évidemment. Connard de gosse. Aide-moi. Tu sais quoi, fais une leçon, laisse-le tomber.
Accroche-toi. Bah là, j'étais en train de spammer pour prendre ma hache et couper les cordes. Hein. Vraiment, j'ai. Reste calme. J'y suis presque. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Je me pèse 500 kilos. Attention. C'est vraiment pas le mec à mettre sur le pont. Non. Je suis un frigo. Ah non, bah non, bah ouais. Oh. C'était pas si mal. Calme-toi. Le musée Grévin. Ton empressement me tuera. Désolé. Celle de Michael Jackson. Oh merde. Oh, encore des drogards. Mais il s'en fout. Il y en a 50. Mais enfin, non, arrête. Plus morts. Non, ils sont pas morts. Ils dorment. Ils font la sieste. Ils font la sieste. Mais qu'est-ce que abruti d'enfant. Du vert au violet, en fonction de leur puissance. Ah, mon attaque, merde. La précision avant la vitesse. Oh. Oh, il te l'a mise à l'envers, c'est décalé. Putain, il est trop fort. Ouais, quand ça passe, ça fait mal, ok. Ah ouais, putain, faut, c'est la juste, vache. C'est juste qu'elle met assez longtemps. Ah, pour viser et tout, pas évident. Ah, il y en a des faux, il y en a des vrais. Ouais. Ah, elle est longue là, à faire. Mais t'es en rage, mets ta rage. Ouah, ma rage. Attends, je fais là, je... Ah, shift, click. Je fais. On va s'amuser. Dépêche-toi parce que c'est cool. Parce que je suis en rage. Ce que tu peux. Wouhou. Oh, c'est déjà fini. Ah, oh, ça se découpe ça. Ah, elle est longue à faire, faut que je... J'aime bien que ça te fait plaisir. Ouais, j'aime bien la caler quand même. Ah, mais j'ai oublié ma petite attaque. Ah, j'ai plus de trucs goniques là. Je vais plus le faire qu'une fois. Je pense que c'est de la magie un peu. Ouais, mais ça se charge. Ouais. Eh, les enfoirés là. Ça me saoule là. Aïe aïe aïe. Bien joué de tir dans la fesse, abruti de gosse de merde. Hé hey. Ah, ça te sert. C'est toi qui a fait ça. Ah, c'est quoi? Mais non, c'était un truc bénéfique, je crois. Mais oui, c'est toi. C'est toi, c'est toi qui a fait ça, abruti. Hey. C'est toi qui m'as donné 50 euros. Allez, hop. Regarde quoi. C'est bon. Un abruti de gosse, hein. Ah, brute de gosse de merde. Putain, j'aime bien taper comme du pied là. Quand je... Allez hop, la daronne qui prend. Ok, dégage, ma bateau. Regarde, c'est des dents d'un coup. Ouais, quand je tape par terre, je fais... Alors, on y va. Par là. Je t'avoue qu'on aurait dit un passage où aller. J'aurais aimé escalader un petit peu là. Ah mais non. Oh, et si on lisait cette merde. C'était une sorte de marché. Les géants se rassemblaient ici pour commercer avec les dieux, il y a très longtemps. Je me demande si Odin est venu ici. Cool ta life. Là-haut ! Quelque chose brise le mur ! Ah bon ? Ah ! Il y a quelque chose derrière le mur ! Me dis pas un boss ? Oh bah non, c'est du menu fretin ça, on s'en bat les couilles. Je pensais que ça allait être beaucoup plus gros. Ouais, moi aussi, il faisait un gros bruit. Ah, trop tôt. Ah ! Tu as appuyé sur une touche ou pas ? J'ai absolument rien fait. C'est marrant. Je suis bien installé. J'étais prêt à faire mon esquive et tout à coup, un menu. Oh, elle passera pas. Elle est plus grand chose. Ah, voilà. Alors toi par contre je te réserve... Oh là ouais. Un coup dans le sol bien mérité. Ça tu l'as pas... Tu l'as bien cherché celle... Oh. Oh ça fait mal ça. Et par contre t'as ton attaque runique chargée. D'accord. On va attendre qu'ils soient tous ensemble et on va faire une petite fête. Ah bah tiens. Vous... Des sous. Vous êtes tous ensemble. Ah bah j'irai les récupérer sous peu. Ah, bien pratique l'attaque d'Atreus pendant que t'essaies de charger ton coup. Aïe aïe aïe. Oh toi t'es chargé. Ma la vie rage. Ma vie. La rage. La ma rage.
quand même vachement plus pratique. Ah, t'as quand même mis un peu de temps avant de le défendre. Ouais, j'ai voulu faire une attaque chargée pour mon propre plaisir quand même. Oh, c'est bien Atreus la diversion, ça j'aime bien. T'as au moins appris un truc aujourd'hui, abruti de gosse. Hop là. Le père qui est vraiment trop chiant. Imbuvable. Oh, tu entends ? C'est Gollum ? Qu'est-ce que c'est ? On verra bien. Ne t'éloigne pas. En vrai, je sais plus ce que c'est. Ouais, c'est... Oups. Mais c'est vrai qu'on dirait Gollum. Mais c'est Gollum. Attends, y'a un son en haut, y'a un son en haut. Recule. J'espère que Gollum était pas en dessous. Non, il est devant. Non, c'est un clin d'œil à Gollum ou quoi? C'est bizarre, hein. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Regarde ça, ça se casse. Oh, la vilaine bourse. C'était un faux. Et lui aussi. Et lui aussi. Mais où est le vrai? Oh, il est là. Attends, c'est quoi la particularité des sorciers? Ils volent. Mais pas pour tes flèches. Ah oui, ouais. Tes flèches l'empêchent d'être invisible. Et donc du coup, tu peux le taper pendant que Arthur te tire dessus. D'accord. Ah bah Arteus, petite flèche. S'il te plaît. Oh oui. Oh putain. Prends celle-là, s'il te plaît. Ah mais ça marche bien, hein. Merci Arteus. Eh, il pratique le piston de merde. Arteus, il va peut-être commencer à nous aider un petit peu, ça régale. Flèche. Oh mais toi, mais t'es un malade mental. Je suis vraiment un lâche, j'ai fini à distance. J'aurais jamais pensé en voir une de si près. Top du pied. Ouais. Je saute. Ok. Utiliser de l'XP pour acheter des compétences. Oh bah j'ai pas gagné beaucoup d'XP hein. Ouais là je crois pas que t'es pas... pas. Ouais. Pas grand chose hein. Je te l'ai déjà dit, je ne sais pas non plus. Ça, c'est du bon coffre, ça. Ça, ça donne une rune. Ou de l'équipement. Un petit truc à équiper sur mes armes, là. Ouais, c'est... Ouais. Acier doux. Acier doux. Ah, tu peux crafter des trucs. Oh, l'acier doux. Bah alors. Il faudrait qu'on arrive à remonter là-haut. L'acier doux. Mais comment ? La crise. Ah oui, la fameuse... Ouais, y'a... Toi, je te réserve un sort. Ouais. Tu récupères pas ce que t'as cassé. Le mec est détruit. Il est dévasté. Genre vraiment. Ah, casse le pont, casse le pont. Attends. Je vois trop de trucs. Oh, t'es en rage. Ça veut dire qu'il va y avoir une tripotée d'ennemis là. Oh, c'est un piège. Oh, c'est un piège. Résous l'énigme. Ah, pour l'ouvrir, faut résoudre les deux. Attends, ouais, regarde, casse le truc en haut, le N. T'es sûr qu'il faut commencer par le N? Ah oui, d'accord. Oui. Oh, maintenant, mais c'est trop bien le ça. Le E, le G, le R, et je te laisse deviner la dernière lettre. Je pense que c'est le C. Oh, le C, je l'ai vu. Vous inquiétez pas. Et le C, il est tout simplement... Là, ça, bah c'est déjà... vraiment, c'est quoi ça? Ça m'a saoulé. Plutôt, t'as dit que des gens essaieraient peut-être de nous détrousser. Oh, le C. Vu. Si on rencontre des hommes, tu resteras à l'écart. Vu. Tu vas faire un tir en cloche. Oh le bâtard, il a réussi. Let's go. Et là. Je trouve que non, ça mais coûte 10 000 d'XP pour l'ouvrir. Non, j'ouvre, j'appuie. Hop là, avec la force, ça coûte rien. Alors là, c'est au moins de la rune de... Oh, pomme. C'est de la rune légendaire. Une des trois pommes nécessaires à l'augmentation de votre santé maximale. Oh. Mais oui, ça, j'aime pomme bien ça. Pomme du Dune. 9 pommes sont cachées dans le monde.
Donc on peut augmenter 3 fois sa santé. Sur 9. Ah oui, c'est beaucoup quand même. Attends, 3 fois 3. On peut augmenter 3 fois sa santé. Le calcul a été fait très rapidement. C'est ouf. Il n'est peut-être pas juste. A voir, à vérifier. Allez, où on se casse. Je vous si ils ont augmenté ta rage, c'est que, à mon avis, tiens, on va en avoir besoin. Alors vous, je connais les énergumènes dans votre genre. Vous voulez des coups de poing, vous. Ne prends surtout pas la rage au sol, parce que t'es déjà plein. D'accord. Presque envie de te foutre la rage dans la gueule, toi. Bah, quand tu auras plusieurs ennemis là, tu pourras, mais. Attends un peu qu'ils soient. Pas trop. Ouah, vous m'avez pris. Oh, les rages, t'as raison. Je rage. Je suis en pure rage. Oh, puis en plus, ouais, il est costaud donc. C'est des costauds là, ouais. Et puis tu peux trop faire. Oh, vas-y, c'est par le. Oh, oh, j'arrive. Oh, bah... oh putain. Oh, c'est trop bien. C'était trop bien ça. Oh, trop bien, putain. Oh, il a le seum. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah, de la vie, ça fait plaisir. Je prends. Ouais, puis elle nous emmerde. On va moins nous emmerder la grognasse. Oh bah on va. Eh ben voilà. C'est vrai que ça peut servir. Tes flèches. Donne-moi ça. Oh bah j'ai... oui, ça redonne beaucoup de rage. Ah oui, ça l'a rempli. Wouah. Tu fais des attaques bizarres et tout. Aïe aïe aïe, arrête. J'ai cru qu'ils allaient nous tuer. Bon combat. Bon combat. J'ai cru qu'on allait mourir. Oh non, oui, non. Et la maîtresse est après la sortir et à tirer. S'il passait la moitié du temps qu'il m'a parlé à apprendre des choses, il serait plus utile le gamin. C'est vraiment un mécanisme de vrai bonhomme ça. Ah ouais, mais attends, elle est la classique. Comment? Parce que... ouais, mais regarde. Ah oui, la seule fenêtre de tir que t'as, c'est quand il est là. Et bon, on va faire comme ça. Ah d'accord, on a juste cassé le pot. Ah ok, je pensais pas que ça fasse ça. Attends, fais demi-tour, X. t'as oublié un truc, je crois. Bien vu le X. Et surtout à un moment. Il y avait où le truc? Ouais, il y avait un coffre derrière des barreaux. Il y avait une porte ouverte, mais c'était après. C'était là. Attends, là il y a une chaîne. Ouais. Et ça m'énerve. Il y a une grille. Du coup, c'est là. Là, c'est ça. Et comment tu. Regarde bien en l'air et tout. Là, faut trouver là. Mais il doit y avoir un. C'est pas par ici là, tu vas t'éloigner. Donc ça veut dire que c'est avant. Regarde avant. Non, alors c'est après dans ce cas-là. À part péter des trucs. Non, je pense pas que ce soit là. Et puis, c'est plus tard, ça veut dire. Ouais, c'est hyper énervant. Voilà, je suis énervé. Bon bah tout à l'heure j'espère. Elle doit s'ouvrir de l'autre côté, on doit descendre la chaîne peut-être et revenir ici. Je veux reprendre un mec et courir sur les autres avec. Ouais, ça c'était vraiment satisfaisant. C'était vraiment cool. Surtout que je pense que tu peux, à mon avis, tu peux l'envoyer contre un mur, genre le plaquer contre le mur et ouais, fracasser. J'ai oublié quelque chose là. Putain, j'aimerais bien courir, ce serait cool. Ouah, putain, il a pas envie. Hein. Ça, c'est de l'argent juste ou c'est de la rune? Oh, l'acier doux.
Ah, l'acier doux. Ça nous fait deux l'acier doux. De quoi faire un film. On va la refaire une autre fois, cette blague, j'espère. Elle fait rire à chaque fois. Elle fait bouche, hein. Tout le temps. C'est quoi cette odeur? J'ai pas de vanne. Maintenant. Ce sont des Eliens. Attends, mais c'est des simples hommes. Regardez. Mais attendez, vous êtes des humains et vous voulez vous battre avec moi? Mais... Tant de jours sans viande. Bon, par contre, si vous êtes 15 000, ça commence à être chiant. Qui? Nous? Bah, t'es en rage. Casse ta gueule en rage. Je vais faire A et clic gauche. Et ils vont tous voler. Taillé dans la viande, morceau par morceau. Ah les gars, dès que je peux, je fais mon move. Hein. Soyez prêts. Hein. Wow. Ils sont déjà tous... Oh, ils sont tellement faibles. Mais c'est des humains. Vous êtes si faibles. Mais qu'est-ce que vous voulez? Putain, t'as failli en prendre pour ton grand. Ouais, ouais, il a failli en prendre une. Oh putain. Ouais. Ah bah enfin, quelqu'un qui a un peu de pouvoir ici, parce que putain... Ouais, bah, il est vite... Ah. Non, non, il se j'ai cru qu'il se téléportait, mais non, il est juste faible. Ah, c'est que un mort, oui, d'accord. Ouais, salut, salut. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors. Mais... Oh. Oh, ce qu'il fait au gamin. Oh. Oh, il l'a tué. C'est vraiment pas qu'il tue un homme, non? Peut-être. Parce qu'avant, il mettait juste des petites flèches dans les fesses. Atreus. Oh, Atreus. Tu vas bisous, monsieur. Atreus. J'ai tué un homme. Il veut sa maman. Il a le père, il le secoue d'un coup super violemment, le gosse là. T'as le chalet, oui. Oh, Atreus, ça va. Putain, il tirait des flèches sur tout le monde. Oui, mais c'était pas des hommes. Allez, viens. Il est vrai. Une longue route nous attend. Vicieux. Lâche. Ah bah super, ça devient des zombies. Oh non, c'est bon Atreus, t'auras mon état d'âme. Tu as arrêté de chialer? Je m'en occupe. Et moi quand je vois ça, la hache. Ah bah j'avais plus ma hache, merde. La hache va par terre et on part en combat de catch. N'oublie pas ta rage. Oh bah tiens, on va la claquer. Allez, on la claque. Putain, mais la castagne. Allez, tiens, le tonneau. Ouais, le tonneau a pris au passage. Allez, ça c'est terminé. Revenu. C'est terminé. Toi aussi. Alors ressaisis-toi. On doit trouver la sortie. Qu'est-ce qu'il a là? Mais qu'est-ce qu'il a? Bah il a tué un homme. Il a un coup de blues, voilà. Putain, je casse tout parce que j'ai trop envie de partir de cette pièce. Ah, c'est bon. Comment ça c'est bon? Cette chaîne. Ouais. Ouais, il faut qu'on trouve la merde. Ouais, développe. Allez, bouge pas le cul là. Oh là. Mais il est en déprime, putain, il me saoule. Atreus. Il y a forcément une issue. Oui, bah... Bah, fais-le sauter, ce gros con de gosse de merde. J'aimerais bien. Atreus. Ici. Tu vas arrêter. Je veux tout péter. La chaîne. Oui. Allez. Oh putain. Là encore. Regarde ça. Non mais... Réflexe. Il est pas prêt. Allez. Mais putain. La chaîne. La chaîne. Oui. T'as pris un coup sur le cochon ou quoi là? Allez. Mais j'en peux plus. Tu réfléchis trop mon garçon. N'y pense plus. Il t'aurait tué. Je sais, j'avais pas le choix. On comprend, Atreus, on comprend, c'est dur. Oh putain! Quoi? Abandonner si vite, alors que nous venons de partir. Non, j'abandonne pas! Si, t'abandonnes. Je peux le
Ouais. Il faut juste que je... Enfin, que je reprenne mes esprits. Monte. Je suis prêt. Bah revois la chaîne. Bon. Ah, Truce, si je t'attrape... Oh putain, attends, je vais te chercher là. Il me saoule. Envie de passer ma colère sur des pots. Écoute. En vrai, si tu passes au ralenti, la manière dont il s'est mis sur moi, je pense qu'il s'est démembré. Vraiment. Mais d'embûche, elle n'est pas faite pour un enfant. Alors sois un guerrier. Je comprends. Tu te rends compte que plus on s'éloigne, plus je me dis qu'on s'éloigne du coffre. Oh putain, ça fait longtemps ce coffre, hein, quand même. Surtout, ne brise pas ça, c'est des runes nordiques, c'est religieux. Ça ? Ouais, ça c'est hyper précieux. Pour la religion nordique. Loupé. Okay. Tiens, bien fait, elles sont bien solides. Ah, c'est toujours pas le coffre que je veux voir, hein, mais bon. Bah, je vous entends gueuler là. Oh, l'acier doux. Ah, c'est quoi ça, ça, là, là ? Ça ? Les yeux d'Odin 1 sur 51. Oh, y a des secrets. T'as regardé autour comme si les 49 autres ils étaient là. Ils sont tous là, c'est sûr. Oh bah alors. Petit problème de. De. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas moyen de faire traverser le pont à cette saleté de bourrique. C'est parce qu'il y a quelque chose là-bas dans les arbres. De quoi tu parles? Ouais, de quoi tu parles? Lance ta hache dans ces arbres de l'autre côté du pont. Ceux avec le tronc blanc. C'est rouge, ouais. Ah. Bon, y'a quelqu'un qui a eu une mauvaise surprise là. Le pauvre mec est aux champignons. Aïe. T'as l'air sacrément futé, mon petit gars. T'es bien un petit gars, non? Elle a un nom? Aucune idée. Cette sale bête m'a jamais demandé le mien, alors j'ai pas demandé le sien. Et toi? Brock. Vera Logan. C'est l'acier doux dans le prochain Avatar. Tu vas sûrement de dingue. Pas me croire, mais... cette hache que t'as là... Eh ben, c'est moi qui... Bon, arrête. Ouais, mon pardon. Frère, une de nos plus belles réussites. Bon, quelle coïncidence. Jamais personne y toucher en dehors de nous deux. Tu dois la manier avec grâce si t'as pas envie de l'esclater. Vous êtes un doubleur connu, non? Je peux y jeter un œil et te la peaufiner maintenant. Je le reconnais pas. Si ça tente, le sa voix me dit grave des trucs. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Bah, ah oui, mais c'est son frère Oli qui fait les équipements. Lui, Brock, qui fait les armes. Oli, tu dis ? Il y a une rune qui a la ouais. forme d'une fourche ouais. en bas du manche. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, tu sais, les deux frères. L'un il s'appelle Oli et l'autre il s'appelle. Regarde, j'en ai une moitié ici. Big Flo. Il s'appelle Brock. Alors, tu ouais, veux que Big Flo. Oui ou non ? Mais non, il s'appelle Brocoli. Très bien. De ne oh, pas c'est une autre blague! Il y a deux blagues! Il y en avait deux! C'est pour vous le chat! Il y en a oh, deux! Putain. Voilà! Vous laquelle régalez. Vous avez préférée? Ah, c'est mon imbécile de frère qui l'a! Mais c'est moi qui ai tout le temps! Forgeron, je veux deux dagues! Bon, ils ont entendu voulu! J'ai de l'acier doux, j'en ai ah, deux! Ah, oui, même. L'acier doux là! Voire trois! J'en ai trois! Cliquez pour accéder, ok! Brock vous a donné une flamme de glace. Je vais pouvoir faire une hache de glace. Ah non. Si. Des niveaux de puissance et des stats. Ouais. D'accord. D'accord. Ouais. On vous savez, on n'a pas le temps de lire tout ça. D'accord. Ouais. Ouais, globalement. On a capté. Ouais. Ça roule. Ouh. Pas de soucis. Ouais. Ça le fait pour moi.
Hop là, et je suppose que si j'ai bien tout lu, la hache fait un peu de glace maintenant. Eh bien, le H est passé au niveau 2. Ok. Ça marche. Ta gueule. Ah, on peut se faire peut-être une nouvelle armure. Ah, et oh, ça, ah. Je dis pas non. Parce que là, l'argent rentre en 14 600 sur 5000, on a l'argent. Hein. Celle-là rajoute de la force. Enlève un peu de défense. 12 de force, 4 de défense. 10 de défense. Celle-là rajoute plutôt de la défense. Moi, j'aime bien la force. Mais après, c'est un peu de la merde, hein. C'est des trucs communs, genre... Tu vas voir si j'avais pas ouais. Mis... Ah, pour Atreus, je suis désolé, mais on va pas te crafter grand-chose hein, aujourd'hui. Attends, t'es un bâtard. Oh bah, attends... Il pue non, mais ça, encore. Ça peut être pratique, c'est pratique, son arc. Il t'aide. Ouais, on va claquer l'acier doux pour ton arc à la con. Fais un sourire, ah, j'ai dis pas merci. Vu que ça utilisé. Putain. Oui. On a claqué l'acier doux pour le gamin. Ah ouais. Et maintenant, est-ce que je peux faire ma... Ah vas-y en vrai. Hein, allez, je fais... Je choisis plus de force. Ici on est des vrais hommes, on s'habille en sanglier. Voilà. Équipé. Mais du coup ça t'a pas retiré ton... Mmh. Tu sais, ta gemme, tu l'avais mise dans quoi? Et ne regarde pas, mais nos amis qui se cachaient dans les arbres sont voir. De retour. Allez, c'est le moment de tester ta hache. Ah. Il y a de la place pour moi? Ouais, attends, tu casses rien. Trop tôt. Oh, ils sont, ouais, ils s'en moquent. Oh là là, c'est une humiliation. Ah. Oh là 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 là. Bon bah, j'essaye de lui mettre mon clic droit, mais je vais arrêter. Voilà. Il me ah, ouais. Il fait pas semblant quand il tape hein. Puis ouais hein, il m'a défoncé en fait hein, c'est qu'on se le dise. Eh hey, vous m'avez cassé les couilles un peu derrière là. Aïe. Tu peux pas tout faire. Ouais, on va se terminer ça d'abord. Oui je sens la différence mais je me fais défoncer là en fait. Courageux de pas avoir pris la vie qui était juste devant. Oh moi j'en ai rien à foutre. Je suis en totale confiance. Oh là 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 vous. Même là. Totale confiance. Maintenant et je putain, prends ma vie. C'était moins une quand même. C'est bon regarde. Ce chemin il mène à la montagne. Non c'est bon. Il apprend pas de ses erreurs, hein. Aussi con que son fils. Bordel. Ah, c'est de père en fils, cette histoire. C'est dingue, ça. Ouais, j'ai rien oublié ici, là. Oh, putain, c'est ici. C'est là. Oh, putain. Heureusement que je suis revenu. C'est pas celui-là, en plus. 411, ça, bonus. Pour commencer. Tu m'as laissé me battre seul. Oui. Oh, ça doit être très bien. Tu dois le combattre. Jusqu'à ce que je t'arrête ou qu'on soit mort, c'est compris? Fais un effort ou on rentre à la maison. Ah. Ouais, j'ai compris. Bien. C'est pas extraordinaire quand même. On va pas passer par là. Voilà, ouais, mais ça, on ouvre un raccourci. Enfin, un raccourci. Oh! 50! Putain, la gueule! Allez, on les a tous sur soleil. On va tous les chercher. Bah. Ah ouais, parce que je l'ai rappelé. Bah oui. Ouais, logique, hein. Hey, soyez prudents là-dedans! Ouais! Cet endroit vous fera pas de cadeau! Oh là, attention à ça. Hein. Ouais. Je pense qu'on peut aller il y a quelques pics, hein, quand même. Ah oui. Ah d'accord. Mais elle va pas se rabattre d'un coup? Non, sûrement pas un piège. Ouais, il y a beaucoup de squelettes quand même. Oh. Un peu comme quand ils arrivent dans les mines de la Moria. Je pense que ça, c'est bon.
C'est pas grave. Mais attends, me dis bien qu'à travers ce trou, y'a rien à faire. Là ? Ouais. Non, regarde. Y'a rien. Oh ! Y'a rien. Y'a rien du tout. Y'a rien du tout. Putain. Aïe aïe ! Ah bah oui. Oh là là. Faut juste pas être con quoi. Laisse-moi deviner, de l'acier doux. Putain. Hop, un petit doliprane. Je suis en full rage. C'est disponible dès que je veux. Oh, ça va donner plusieurs coups. Encore, 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 faut continuer. Encore, encore, encore. Encore. Et là. C'est bon. Attends-moi ici. Ah, oh, trop bien. Oui, mais là t'as retiré. T'aurais pas dû. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, oh. Retourne en arrière. Wouhou. Je m'en vais. Mais attends, ils sont baisés. Ah ouais, attendez. Ah ouais, non, tu vas devoir te battre à la main. Oh non. Ah bah non, ils viennent. Pourquoi vous venez? Ça aurait été drôle. Oh, désolé. Alors là, vraiment, je voulais me battre à la loyale. Oh non. Oh, Atreus, tu ne dois pas te battre comme un lâche. C'est très grave. Ok. Ok, t'y vas, mais tu reprends pas ta hache. Oh la vache, mais c'est satisfaisant, on dirait du fromage un peu. Le frometon. Hey, on est censé se battre de l'autre côté, les abrutis là. Oh, j'ai vu, hein. Comme une balle. Atreus, tes flèches elles traversent les murs, hein, je t'ai vu. Hein. Oui, tu as loupé son arc, tu te souviens pas? Putain, très pratique ça. Le frometon. Oh, le fromage. Coulant. En fait, tu peux être en rage si tu souhaites, mais ça, c'est ton choix. Oh, pas par contre, visiblement. Il est gratuit. Oh, oh. Atreus, viens. C'est excellent, putain. Ils ont bien fait de le faire de manière random parce que dès que tu l'as, t'es content. T'es en mode, oh, j'ai de la chance. Je vais m'amuser. Oh non, CRN. CRN, hey, cesse. C'est. CRN, mais j'en ai vu aucune. Bah alors ça. Ah oh. Pousse la porte derrière toi, ce sera à faire plus tard. Ah ouais. D'abord faut pousser ça, et si ça tombe, tu peux quand même tourner à droite. Vas-y. Oh là, dépêche-toi. Tourne, mais le laisse pas te trouver. Oh, Atreus, donne-moi la main, enfoiré. Attends, et là tu peux monter. Un sur neuf artefacts. Eh ben, Je peux pas y aller. Si, c'est bon. J'étais pas sûr qu'on s'en sorte. Je n'ai pas l'intention de mourir. CRN. Ah bah oui, tu montes en faisant pivoter. Ok, t'as le N. Et le CR. Là, tu peux faire monter la plateforme en fait. Et du coup, ça va te surélever. Et là, regarde, qu'est-ce qu'on voit là. Waouh. Va-t'y pas. Et y'en a. Ouais, certainement qu'on doit aller là-bas. Je suis sûr qu'il y en a une là. Mais oui, c'est sûr. Et voilà. Yes. Et y'a quoi d'autre là-bas d'ailleurs? Bah tiens. Tout est à moi. Let's go. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Pour revenir en arrière. Oh, jamais de la vie. Putain, et c'est pas satisfaisant? Moi j'aime bien les petites énigmes là. Bah ouais. Ils sont sympas. C'est chouette. Chouettos. Oh là! J'allais dire l'hydromel. Corne d'hydromel sanglant. Augmentation de votre rage maximale. Mais oui. Putain, mais c'est hyper important de faire les coffres, hein, du coup. Bah oui. Putain. Là, ça te carré. Ouah. Pourquoi? Alors, c'était beaucoup de style, mais pourquoi faire ça, Kratos? Ça, c'est dangereux. Kratos, plutôt Crétinos, ouais. Crétin. Tout ça est à toi. J'avais jamais vu la montagne d'aussi près. Elle paraît si grande.
J'aurais voulu que maman voit ça. Tiens, son ambiance à chaque fois. Oh, tu peux pas là. Profiter comme tout le monde. Pousse-le. Ah, il a hésité à le pousser quand même. Hein. Un geste. Allez, viens. Oh non, de la tendresse et plus quoi encore. On va pas le toucher non plus. Il y a un oiseau ici. Oh putain, il y a un oiseau. C'est sûr. Eh, hey, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une énigme, abruti. Regarde. Il y a la rue sur le côté. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit ce que nous sommes à deux, à trois, mais que je ne peux être seul. Une énigme. Il y a peut-être un indice quelque part. Alors. Un indice? Moi, j'aurais tourné les roues. Ah. Genre comme ça. Les cercles tournent. Ah oui, mais oui, du coup, tu dois planter ta hache. Pour que ça fasse. Ah non, même bon en fait. Je pensais que tu devais former un symbole, faut juste attendre. Le truc c'est que. Ok. Ouais, tu la décroches quand c'est bien. Ah, c'est, mais c'est lequel? C'est casse-couille. C'est celui-là? Non, ah. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Attends, parce que. C'est le prochain, attention. Maintenant. Okay. Ouais. Ouais, on est bon. Et celui du centre. Du coup. Si je fais ça, on va se régaler. Oh putain, oh, ça pa, arrive! Pa, pa, pa. Attention les jeunes! Oh, et... Magnifique! Je vois les runes. Tu vois, Atreus, il faut aussi un cerveau dans la vie. Atreus, que disent ces runes? Oh. Bon, je suis un alphabète, mais bon. Ça, c'est pas grave. C'est pas un indice. C'est la réponse. Ce que je ne peux être seul. Tu vois? Prends ton couteau et trace les runes dans le un sable. Un couple? Vraiment? C'était quoi la réponse? Je l'ai pas entendu en fait. Ce que je ne peux être seul. Ouais. Et il a dit c'est quoi pas la réponse? Non, mais c'était la réponse à cette question. Enfin, à cette énigme. Ah. Et c'était quoi la question du coup? Bah, je sais pas ce qu'il a dit là en fait. Je sais pas ce qu'il a lu. Mais en tout cas, l'énigme c'était ce que je ne peux pas être seul. Merde! Si seulement on avait un chat! Je suis content d'avoir rencontré Brock. Putain! Ça c'est con! Ah! Je vois que vous donnez la réponse dans le chat! Merci, comme ça merci on sait! Merci à vous! Hein. Alors ceux-là ils sont gratuits! Lui il a une plume en moi quand même! Hein. Ouais, je lui ai coupé une plume de cul là! C'est quoi ces petits dessins là? Bah je sais pas! On dirait des petits indices! Ça m'intrigue! C'est clairement des petits indices! Non? Bizarre. Il y en a plusieurs, je sais pas. Il y en a plein en fait. Mais ça ressemble à des petits indices. Oh, j'ai de la rage. J'ai de la rage à revendre. Hop hop hop, attention quand même. Ah, c'est un oiseau. C'est juste joli, je crois. Oh, qu'est-ce que au-dessus de ta tête actuellement là? Hein? À gauche. Oh! Par contre, j'entends. J'entends un oiseau magique, hein. Observe bien. Je le vois pas. Ah, si, je le vois. Je le vois là, il est là. Alors, let's go. Quand j'ai dit observe bien, je l'avais pas vu. Hein. Ah, ouais, il était un peu dans la lumière. Atreus, regarde ces traces. Peut-être un sanglier. Adidas 46. J'adore ces poutres, on y va. Les réflexes d'un guerrier doivent toujours rester affûtés. Oh yes! J'en ai combattu un comme toi un jour. Mais t'es un peu mieux maquillé. Beaucoup plus balèze. Ouais. Oh 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 bah. Oh la honte! Oh la honte, eh. Ah, ça te fait chier? Ok. D'accord, ok. Ah, va falloir te mettre en rage là. Hein. Tu peux et t'auras des trucs à. Ouais. Alors là, vas-y. C'est le moment de taper. Vas-y. Ah, là, c'est le moment où je tape, mais je suis plus du tout en rage. Putain, le bouclier qui servait pas à grand chose quand tu t'as assommé avec la pierre. Moi, je l'ai lancé. Juste dans le fesse. Pourquoi je l'ai lancé? Attends, parce que là je vais mourir.
Ah oui, putain, j'avais pas vu ta vie. Ouais, ouais, je vais mourir là. Cherche une fiole de vie. Tu sais, ils te mettent des petits boss, mais à mon avis, c'est pour que ça drop de la petite vie. Hein. Ouais. Occupe-le. Ouais, déjà, tu peux récupérer la rage. Ouais, casse les pots, c'est sûr qu'il y a de la vie là-dedans. Ouais, c'est bon, t'en as une. Ah, bah, t'en as pas beaucoup. Là, faut courir. Ah là là, c'est pas d'esquive latérale, hein. C'est plutôt. Complète en rage, ouais. Il t'a envoyé de la vie. J'ai rêvé. Sérieux? Non, non, ça m'a fait rêver. Ça m'aurait régalé. Quel frère! Ah, il oublie pas de récupérer les 337 euros qu'il trouve dans la poche. Ça me fait plaisir, il m'apporte de l'argent. Oh, un peu de rage. Ah, il est fatigué? Ouais, t'es fatigué de ouf là! Oh, t'es moins fatigué. Il a vraiment beaucoup de vie, hein. Ah, fais gaffe, ouais, ceux qui tentent des trucs, faut les esquiver vite. Ouais, ils me cancel mes attaques, ils me font chier. Attention. Quelqu'un a de la vie? C'est merde. Allez, il t'en faut plus. Ah, c'est dur, putain, à éviter cette merde. Esquiver, lui. La bourse! Ah, il faudrait qu'il tente de la vie. Là. Il est pas mort? Je suis un peu coincé là. Oh, oui, t'as raison, c'est le moment. C'est le moment. C'est pas le moment du tout. Alors. Tu laisses ton fils tout seul face à un géant. Démerde-toi, fils. Ça fait partie de ton initiation. Oh, c'était de la full life. Bah c'est bon là. Ouais, full life, ça me régale. T'as plus qu'à y aller, hein. Oh, il l'a défoncé là, par contre. Ouais. Il vient d'écraser la tête de ton boss. Enfoiré. Vas-y. Oh vas-y, c'est le moment. Oh, je lui ai mis mon clic droit, il a pas kiffé. Ouais. Yeah. Oh la castagne. Oh putain. L'arroseur arrosé. C'est vraiment trop ouf les combats. L'enclume d'Ivaldi. Attaque de zone DS, c'est qui gèle tous les ennemis présents dans le rayon de l'explosion. Bon, tu veux pouvoir le mettre ça, attends. Énorme. Mais j'en veux. Ouais. Ah, je l'ai mis, ok. Mais c'est dur de savoir ce qu'on veut améliorer, tu vois, parce qu'avec l'XP, je peux prendre beaucoup de choses. Je peux prendre des compétences, je peux prendre des. C'est dur. À toi de choisir. Pas facile. Regardons ce qu'on a en compétences là. Ah, oh, ça c'est quand même genre si tu l'utilises tout le temps ça. En vrai, oui. C'est vraiment genre ça se fera tout seul quoi. Des dégâts. J'aime pas trop le givre moi. Ah, mais des fois c'est pratique hein. Ouais. Ça aussi ça se fait tout seul. Bah oui, en fait, il y a plein de trucs qui sont allez. Super satisfaisants parce que c'est tout seul. Allez. Tiens. Ah, je l'avais pas XP insuffisante. Waouh. Ah. Et attends. Ça c'est ouf. Ouais, mais t'as pas assez. Ouais, c'est ouf parce que je le faisais tout le temps en fait ça. Donc dommage. Dommage. Attends, t'avais un truc chez le fiston à améliorer. Je le déteste. Voilà. Je vais te le dire, je le déteste, je considère pas comme mon fiston. Donc. Tout c'est. Il y a un coffre énigme. Hein. Ah. Ouais, je l'ai vu quand t'étais en train de te battre. Je me suis dit, je vais pas lui dire 20 ans, c'est venu, on va essayer de la résoudre alors qu'il y a un drôle de gros géant. Déjà, mais... celui-là, c'est étonnant que je l'ai pas ouvert hein, parce que. Ah oui, je m'en souviens. C'est juste que ça va. Il faut vite que tu les casses. Ah, faut les trouver vite. Que tu les tapes parce que tu vois quand ça. Donc faut que tu te mettes à un point où tu les vois quasiment tous. Là y'en a une. Ouais, donc il y a celui-là. Là y'en a une. Celui-là. Mais je pense que du même point tu peux tous les voir peut-être. Ouais. Ok. Mmh.
La gueule. Oh, le père toujours aussi désagréable. Ça c'est la suite. Donc là on a le. C'est... Je sais pas. T'es rentré dans la grotte voir. Non. Atreus, j'attends ton animal devant. Non, ça c'est la suite. Du coup, ouais. Si ça c'est la suite. Du coup, si ça c'est la suite, l'autre truc c'est pas la suite. Et si c'est pas la suite. C'est le début. Ah. Ah ouais. C'est une bourse. Ouais. Mais. Une simple bourse. Ça peut. Non. Bon, remets-toi au point où tu voyais les deux. Et observe bien. Ah, mais regarde. Il est là. Attends. Ah non, ça c'est celui du début. Ça c'est celui que t'as trouvé ça. Non, lui. Ah, lui. Ah, ouais. Bah alors. Du coup, on va se mettre comme ça. D'abord celui de loin. On va se faire un sniping. Voilà, donc pas du tout. Pardon, j'appuie peu, sur R. Un peu plus bas. Ah non, plus haut. Oh, l'oiseau en haut. Oh, je vais le défoncer. Bon, j'arrive. Commence à me briser les couilles. Merde, je suis un dieu ou je suis pas un dieu? Putain, je suis pas un dieu. Mais tu sais même pas si ça touche. Non, ça touche pas en vrai. Je le rappelle une fois que ça fait rien. Ok, là ça va toucher. Putain, piaf. Oh, le piaf il va prendre son tarif. Ah. C'est pas loin hein. Faut aller vraiment vite. Oh, bah ouais, faut se dépêcher quand même. Oh, je l'ai pas du tout loupé. Ah, lui non plus, je l'ai pas loupé, c'est cool. Ah, bah t'as de la chance. Il y avait pas très exigeant à mon goût. J'aurais préféré. T'as loupé. T'as loupé deux fois les suivants. Oui, et j'aurais dû être puni pour ça. Oh, plus qu'une pomme et on est surpuissant. Et plein de vie. Bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais Atreus pour ça. Atreus. De quoi sautiste? Ouais. Non, Atreus par contre. Ah. Allez oui. Sinon comment voulais-tu qu'il monte? C'était pas de sa faute ou gamin? Bon par contre il met toujours 3 plombes hein. Ça. Oh putain. Oh toi. Oh. Viens voir ici. Oh lis parce que j'ai la flemme hein. Je sais lire mais vas-y lis. Ça a rien à voir avec le fait que je suis chez Nier d'y écrire hein. Ouais. Cool. Oh l'XP. Ah 30 XP, oui bah c'est bon. C'est pas pense, mal l'XP. Ça. Ah, comme une masse hein vraiment. Un piquet. Bizarre c'est cet arbre. Hein. Je le savais, je reconnais les animaux. Putain c'est un sanglier poilu hein, il est bizarre hein. Il est une crête. Ah, tu connais le cœur des sangliers. Là. Mais je l'ai touché pourtant. J'ai fait comme t'as dit et la flèche a merde. C'est un sanglier magique. Mais il est con quoi. C'est le sanglier le plus étrange que j'ai vu. Alors rattrape-le. Vise l'anus, on t'a dit. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Si la peau est trop dure, vise l'orifice. Perfore l'anus. Le temps fera le reste. Non. Oh, le oiseau. Bon, à ce train-là, on aura fait le 100% des corbeaux, hein. Par Odin, tu vas voir tous les corbeaux. Par Odin. Ya. Yeah. Ah, ils ont pillé le village, mais pas complètement, les cons. Ils ont vraiment laissé le plus important, l'argent. Ah, ils sont cons, hein. Y'a aussi des drogars ici. Ils se sont peut-être battus. Ouais, peut-être, ouais. Abruti.
Ah, franchement. Toujours désagréable. Non mais franchement. Non mais franchement. Qui c'est qui va coller un gamin pareil? C'est bizarre. Ouais, ta mère, elle est morte de conneries, ouais. Putain. Oh là là. Alors, elle est morte d'ennui de t'écouter en garde. Elle en fumait plus de tes conneries, là. Ébla. 3 sur 9. Ça avance, hein. Mais ça, tu vas à une vitesse. Pas si long, le jeu, quand on ne meurt jamais. Est-ce que je suis déjà mort? Jamais. Non. Rappelle-moi ton niveau. Sébastien. Quoi? Là, il est passé en dessous. Là. Attention, pas de bruit. Savoir que le mec qui a fait le doublage, c'est Donald Renew. Et pour l'anecdote, il a fumé 35 paquets de gitane en un jour pour avoir cette voix. Il est au studio. Là. Là. La précision avant l'anus, l'anus, l'anus. Voilà. Ah bah tu vois. Tu vois. Bien joué. Putain, mais maintenant oui. Suis la merde. Qui coule. Il a fait tomber son poignard. Eh oui. Distrait, hein. Atreus. Oh là, la brune épaisse. Atreus. Atreus qui ne répond plus. Où es-tu? Mon dieu, c'est un mirage. Mais on n'y comprend plus rien. Oh la brute. Atreus. Il ralentit. Ah. Attends-moi, Atreus. Mais où est-ce qu'il s'est fourré, ce gros con? Il est chiant. Réponds. À droite. À gauche. Atreus. Bah, c'est Atreus, c'est toi? Bizarre, là. Ah bah ouais, moins de muscles, hein. Moi je passerai. Hein. Mais ouais. Le ventre frotte un peu. Eh ouais, la grosse brute. Je savais pas qu'il était à quelqu'un. Il n'est pas moi. Bonjour, belle Amazon. Le garçon ne faisait que m'obéir. Vous savez que ma femme est morte. Figurez-vous que je suis célibataire. Je vous dis qu'il perd du sang. C'est le dernier de son espèce dans tout le royaume et vous le tuez. Vous aviez si faim que ça? Il m'entraînait à tirer. Quoi? Il s'entraînait à tirer? Je suis tellement désolée. Maintenez la pression. C'est de ma faute, j'aurais dû être plus vigilante. Il va mourir. Je rencontre une zadiste. Putain, c'est bien ma veine. C'est quoi ça? C'est quoi ce sanglier domestique? Qu'est-ce qu'il y a là? Commencez par le côté gauche. Maintenez-le bien. Le côté droit maintenant. Tenez-le bien. Maintenant, rapprochez-les. Alignez-les. Vous êtes une sorcière. Je ne peux pas finir l'incantation ici. Ma maison se trouve derrière ces arbres. Vous allez le porter. Pour que ça foute de porter un sanglier de merde, quand même. J'en serais incapable. Il est trop lourd, hein. Je ne suis pas un dieu ou quoi que ce soit de ce genre, hein. Il a l'air stable et apaisé pour le moment. Depuis tout à l'heure, j'ai eu le clic gauche et le clic droit enfoncé comme si j'avais le lâché. Je suis très tendu. Va le jeter. Oh là, mais qu'est-ce que c'est? C'est féerique, c'est... qu'est-ce que c'est que ça? On n'a plus le droit de tuer des sangliers, on est dans la forêt enchantée, c'est quoi ça? Bizarre l'ambiance. J'aime beaucoup. Cet arc est un peu grand pour toi, non? Ma mère me l'a fabriqué. Elle a dit qu'il m'irait plus tard. Une belle bête, ça. Je l'ai jamais vu dans ces bois. Tu dois beaucoup lui manquer. Elle est morte. On emmène ses cendres sur le plus haut pic des royaumes. Ses cendres? C'était son dernier vœu. Atreus. Je suis vraiment désolée. Voilà, il y a un malaise maintenant. Hein. Putain, l'ambiance, elle a été pétée en deux là. C'est ici. Il y avait un feeling avec la meuf et tout, là il y a pas rien. Dedans. En dessous.
Hey. Regarde. Une tortue géante. Waouh. Dis donc. On pensait que vous étiez un arbre. Oh, c'est bien fait, hein. Il est gentil. Atreus. Ah, c'est enchanté. On n'a pas du tout essayé d'en buter un tout à l'heure. Ah, vous êtes une tortue et aussi une maison et un arbre. Dis donc. Mais si elle décide de se coucher quand t'es dans la maison. Ouais, faut faire attention, hein. Si elle est fatiguée. Tu sors plus. Mais dis donc, c'est grandiose, hein. Ça pue en plus, hein. Cette fameuse odeur de grenouille disséquée en salle d'SVT. Ah ouais, ouais, c'est ça l'odeur. Hein. Posez-le sur ce symbole. Oh, il dégueule. Ah, il a vomi, ah. Ah. Surveillez-le. Mais attends, c'est vrai que c'était méchant à la base, on comptait même pas le bouffer. Vous vivez seul? Bah ouais, c'était genre... Mon père non plus n'aime pas trop les gens. Atreus. Quoi? C'est vrai. Est-ce que tu parles pas à la meuf? Je dis juste Atreus. Oui, il aurait vachement envie de prendre un thé, ouais. N'importe tiens, quoi. J'ai mis un peu de sucre. Il y a des racines rouges qui poussent. Une camomille pour te calmer. Tu peux m'enquérir un pied? Elle va nous faire d'Atreus un putain de botaniste. Fais chier. Voulant faire un guerrier. Oh là 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 là. Je sais que tu es un dieu. Quoi? Non. Ce royaume, mais je sais que j'ai raison. Il ne sait rien, pas vrai? Sur votre vraie nature, ou la sienne. Ça ne te regarde pas. Les dieux de ces royaumes n'apprécient pas beaucoup les étrangers, crois-moi. J'en sais quelque chose. Ah, le gosse, il sait pas qu'on est un dieu là? Et ça arrivera. Mais il est complètement con, le gamin, il croit quoi? Le garçon exigera. Ouais, papa, il va à la salle au moins 3 fois par semaine. Oui, il se dit juste qu'on va à la muscu, qu'on prend de la whey. Qu'est-ce qu'il se croit? Il est complètement con. Abruti. Ça ne me regarde pas. J'ai mais est-ce que le fils, c'est un dieu? Bah, une fleur blanche qui pousse dans le il est fils d'une humaine, techniquement. Je crois ah, que sa ouais. femme, c'est juste une humaine. Et c'est un demi-dieu, du coup. Comme Hercule. De la je connais pas la légende d'Hercule, je sais juste qu'il était musclé. C'est pareil. Et bon, voilà une mission d'un mec super puissant. Alors... Qu'est-ce qu'on doit aller chercher? J'ai pas lu, j'ai pas la regardé. La fleur au pétale, c'est... Oh, je crois que c'était ça. Je crois que c'était une fleur de pétale blanc, c'était des poissons en brochet. Dommage. La fleur aux pétales blancs. Qui était, j'ai pas vu. C'est la lavande. Ah ouais, mais toi, t'es daltonien. Bon, le blanc, tu le reconnais, le blanc? Eh, c'est blanc, ça. Et voilà. Putain, il en prend soin, hein, dans la plusieurs poche. Non. Putain, Kratos qui cueille des petites fleurs. Eh ben... Pitié, mais pitié. Mais achevez-moi. Oh là, en train de penser un sanglier au lieu de le bouffer. Là. Le garçon est parti la chercher. Tu pourrais peut-être l'aider. D'accord. Longan ne fonctionnera pas sans ces deux ingrédients. Parce qu'il sait pas cueillir une fleur maintenant, le gamin. Il n'est pas assez puissant pour ça. Putain. Mais il est où ce connard? Une racine rouge, vous dites? Non, faut aller chercher ton gosse. Mais on sait pas où il est parti. Il est parti la chercher, mais où? Aucune envie de le voir. Atreus. Ah, donc c'est vraiment ça, il n'arrive pas à l'arracher. Je pense, c'est pas, je pense que c'est pas un dieu. Même pas un demi. C'est pas, c'est une demi-crotte à la limite. Pendant que tu poursuivais l'animal. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Si je l'avais perdu. Tu l'as déjà perdu. J'y ferai plus attention, c'est promis. Mmh. Ouais. Moi, ouais, Atreus, ta maman buvait beaucoup d'hydromel quand elle était enceinte. Toi. Il est lent, le gamin. Hein.
Pas la lumière à tous les étages, le gamin. Bon, c'est bon, on a la racine, on va au pieu maintenant là. Putain. Kratos qui a envie de baiser, ça doit être quelque chose. Hein. Le petit a besoin d'une mère, et moi j'ai pas tout mon temps. C'est exactement ce qu'il me faut. Il va pas mourir. Il est bien fait ce sanglier là. Alors nous partons. Content que tu sois impressionné par juste le sanglier et pas tout le reste. Y'a que ça qui m'a impressionné. Genre, il a la peau qui a l'air bien dure, il a des petits poils partout là, je suis très impressionné. Essaye d'enfoncer tes doigts pour voir. Cette marque ouais, genre c'est. Aux yeux de ceux qui pourraient vouloir te barrer la route. Je vais te curer le nez avec ces deux doigts. J'aime pas trop les gens qui lèchent leurs doigts pour nettoyer quelqu'un. Mais c'est normal, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Si quelqu'un vous a déjà fait ça, c'est anormal. Hein. C'est front kick dans la gueule, hein, direct. Oh là de ces bois sans danger. On est dans la tortue ou on est en dessous? La tortue s'est penchée, on est dans la cave. Ok. Est-ce qu'on pratique finalement. Autant que tu en auras envie. Maintenant, file de là. Allez, viens. Pas trop envie de faire des rencontres, le Kratos. Ce passage souterrain vous remettra sur le la boussole, ouais, tu vois, là, votre prochaine tâche. T'atteins vraiment, tu vois, marrant, c'est le début ça. Du jeu. Hein. Prends ça. Serre-t'en pour t'orienter. C'est marrant que... Est-ce que le jeu, il change un peu de gameplay pendant tout le jeu ou genre c'est... On vient juste de découvrir le système pas de fini. Quête. Je l'ai pas fini, mais là, je me souviens que ça y est, là, t'atteins juste le passage où, t'as accès à un open world, en quelque sorte. Ouais, ok. Je vois, et tu fais des quêtes dans ce monde. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que forcément, quand tu tapes de la quête annexe, XP, meilleur équipement, meilleures armes, argent. Ça en fait à découvrir, d'accord. Octroie un regain de santé. Seulement, je pouvais lui demander. Ouais, ça s'équipe, ça. On en veut de ça. Me dis pas... Attends, je l'ai équipé sur quoi? Mon armure? Est-ce que ça me régène un peu tout le temps? Je crois que c'était ça la particularité, non? Mais c'est complètement dingue, on n'a pas du tout réagi en fonction de ce qu'on a vu là. Non mais parce que je pense que c'est lent, mais ça va être pratique quand tu vas pas avoir de fiole de soin. Hallucinant. C'est encore mieux que le sanglier de tout à l'heure. Non mais là, c'est incroyable. La régène. Putain, on a système de quête après 2 heures et en plus une régène. Là. On est tellement proches. On arrive dans la mer. Comment tu le sais? L'eau, je lui mets un 6 sur 10. Ouais, je suis d'accord, tu vois. On dirait un peu du slime. On dirait des vaseuses, genre. Ouais. C'est gras un peu. Ouais. On peut pas tout avoir. Eh, le jeu, je l'ai pas en ultra. Hein. Regarde ça. Ah bon? Le jeu, je l'ai en élevé. Hein. Et si tu mets ultra, ça fait quoi? C'est Thor. Ça fait. C'est ça. Je pensais que t'écoutais pas quand maman parlait des yeux. OBS va bien. Ça va, ça a l'air d'aller. Oh. Attends, regarde derrière toi. Il a dit que c'était Thor, c'est la statue de Thor. Ah oui. Un marteau. C'est ça peut être Thor, ouais. Oui, il l'a dit, c'est Thor. Ouais, il y a moyen. Avec le marteau, il y a moins que ce soit lui. Ouais. Mais il est chiant. Ouais, un marteau, c'est possible. Ouais. Ouais, un casque viking, ouais. Ah, le piaf. Ah non, c'est des mouettes. Toi, t'as trop envie d'avoir tous les oiseaux légendaires, toi. Eh, c'est fou quand même, on est sur une barque en plein milieu de nulle part. Tout a changé là.
sacrifie tes armes aux profondeurs de l'eau, tire de son sommeil le berceau du monde. On doit jeter nos armes dans l'eau, c'est ça? Ça sera pas un problème pour toi. Est-ce que tu vas le faire? Tu parles pas. Mais il y a aucun dialogue avec son père, ça trop. Il lui parle pas du tout. C'est incroyable, il lui a rien dit. La hache n'est pas revenue. Ça veut dire que là, il l'aurait peut-être perdu à jamais. Dommage. Ah. Ah, tu vois cette chose gigantesque là? Ouais. On dirait un espèce de Léviathan. Pas ouf là. C'est de la chair. C'est le serpent monde. OMG, le serpent monde. Oh, des dents, manquait plus que ça. Waouh. Très impressionnant. Et ouais. Regarde, il y a une épave tout là-bas. T'as vu? Il m'a fait vibrer. Et ça, c'est la statue de Thor. Sauf qu'on le voit beaucoup mieux maintenant. Le niveau de l'eau a baissé quand le serpent en est sorti. Oh, bien vu. Pourquoi je te sens plus conquis avant, tu vois? Horizon Zero Dawn, Last of Us, t'étais Schwinner, là, je te sens. Non, c'est un. Franchement, pour un jeu rétro, c'est quand même. c'est quand même extraordinaire. Mais du coup, il y en a. Et en plus, il y a bientôt un autre God of War. Enfin, il y en a un préparation, non? Oh, alors là, oui, mais c'est pas. C'est pas sorti avant longtemps, hein. Ouais, mais c'est en projet, ça. Ouais. C'est le Ragnarok, je crois, qui va sortir. Ouais. Il est tellement grand qu'il entoure le monde et mord sa propre queue. Alors, j'avoue, il est. Le jeu est bien, le jeu est bien. Et ouais, il est beau, il est impressionnant, il est bien. Il est intéressant. Et il est sur l'Epic Game Store. Oh putain. Oh putain, avec le code créateur manqué, si vous le mettez pas, bah vous êtes des. Vous êtes des Atreus. Ouais. J'ai justement quelque chose pour vous. Tiens. Brock. Brock. Mais comment as-tu. Mêle-toi de tes oignons. Et venez plutôt par ici, j'ai quelque chose pour vous. Et pas la peine de lorgner sur mon coin. Je l'ai vu en premier. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut d'après toi? Mettre notre patience à l'épreuve. Quand les gens sauront que j'ai ouvert un nouvel atelier, ils sortiront de leur trou. Ils se battront comme des chiffonniers pour admirer bon, mes. Bon, bah j'ai la flemme de faire de l'atelier, est-ce qu'on c'est s'arrête moi là qui vous le dis. Bah oui, on peut. J'ai la flemme de faire du menuing là. Alors, non, le franchement, chat... convaincu. Hein. Moi, convaincu. Le chat, je le lis là, ils ont l'air extrêmement convaincus également. Sachez qu'il a chouiné hein, avant qu'on lance. Hein. Oh, alors chouiné. Qu'il t'a sur X. Chouiné, je suis pas sûr. Putain, franchement, j'aurais bien terminé par un petit boss fight, mais bon, ça doit pas être maintenant là. Ça doit pas être tout de suite. Je ne sais plus quand c'est. Mais les combats sont vraiment de la régalade, hein. Ça c'est sûr. Bien. Si je tape God of War Walkthrough, que là je vois... Ah bah visiblement il y a un mec qui l'a fini en 13 heures. On va pas parler à Brock ? 13 heures ? Ouais. Ok, ouais c'est pas mal. Bon je dois pas être très rapide mais... Oh bah tu sais quoi ? J'en suis à un niveau là où... Ouais, et bah le mec là au bout de 2h07... Il est en train de cueillir la fleur avec son fils. Comme moi, en fait. Donc, tu vois, finalement. Franchement... Et attends. Là où on en est, le mec a mis, attention...
2h16. Ah bah 2h10, en fait on est pareil. Comme moi. On a mis 3 minutes à lancer le jeu, je dirais. Ce mec, en fait, c'est moi. Putain, énorme. Allez, hop. Ah putain, je vois les prochains boss fights. Oh la vache, j'avais oublié. Ah bah ouais. Hein. Je pense que... Ah c'est quelque chose. Hein. Si le début est comme ça... Ah t'as déjà vu 13h, on a fait que 2h de truc. Hein. Une toute petite ça, partie du jeu. Hein. C'est quelque chose. Hein. On sait pas hein, si vous spammez qu'on doit le continuer, étant donné que bon, The Last of Us 2 il était pas chaud, mais là peut-être que... Ouais ouais. Hein. Peut-être que ça changera la donne. Hein. De... Alors, ah bah je vois que vous êtes en tout cas chaud dans le chat là, vous n'arrêtez pas. Ouais, continuez. Putain, il y a Briox du 32 qui dit ouais, continuez de ouf. Merci Samyog pour le sub. Putain, merci pour les 100 subs, énorme. Merci à tous hein, pour les subs et subgifts pour notre grand retour, ça fait super plaisir. Bon bah en tout cas, je vous vois malade. Motivé, on va peut-être continuer à écouter. Faites-vous entendre sur la VOD et puis on verra. Ouais. Allez. Allez. À la prochaine. Au revoir. Salut.